Non. Alors, cette musique qui fait peur, que Nao n'entend pas, mais que moi j'entends bien sûr, que je coupe, ça Oui, fait mal aux oreilles. je suis un peu triste. C'est pour annoncer quoi? Peut-être potentiellement enfin, le deuxième épisode de la meilleure, meilleur jeu d'horreur de tous les temps. Notamment grâce à cette dame au bonnet rouge. Ah oui. Et rien d'autre, hein, comme ça Rien quand. l'autre, je sais même plus comment elle s'appelle déjà. J'ai oublié. T'sais, j'ai cherché une image et pour taper, je dirais, je fais vieille au bonnet rouge, Fantasmagoria et tout, mais ça n'a pas marché. Et t'as trouvé? Non? Non, même pas. J'en ai trouvé un, mais il y avait marqué Let's Play numéro 4, machin, donc ça faisait pas. Tu Ah vois, ça fait ouais. genre je vole des trucs sur Google Images, quoi. Ouais, c'est Non. pas top du coup. Alors, pourquoi le chat ne s'affiche pas? Ça, ce n'est pas fantastique. Pourquoi il n'affiche pas ce con? Tu es con. Il n'est pas un gentil chat. Bon, c'est pas grave, mais du coup, quand même. Ah, attends, je vais voir vite fait. Ah, oui, j'avais pensé à tout sauf à ça, Vas-y, pourtant. vas-y. Mais j'avais testé, pourtant. Coucou Siona. Donc nous avons celui-là, nous avons Simon aussi qui est là, je crois. Voilà. Simon? Simon. Non, Et c'est pas. ça marche aussi. C'est pas un chat. Ça y est, ça marche, c'est bon. Hop, on l'a. Voilà. Ah, vous avez raté un truc très marrant tout à l'heure. Le chat a voulu. J'ai Pauvre entendu chat. un vieux. Le chat, il s'est pris un coup de pied ou quoi? Elle était juste sous mon pied, quoi. Il s'est fait Pourquoi? kicker, le chat. Ah là, ça, elle a pas aimé. Allez, on va commencer, on va lancer le jeu, écoute, on va voir déjà si on Allez. peut déverrouiller le mode gore. Alors je vais commencer, parce que voilà, technologie du futur, pour que Nao puisse voir le jeu quasi en même temps que moi, je vais le double streamer pour vous sur Twitch et pour Nao sur Mixer avec zéro décalage, qui est un En autre espérant site que de stream. la co tienne le coup. Bah ouais, parce que voilà, Skype plus C'est un tout, peu beaucoup, c'est hein. compliqué, mais tu peux le faire. Commencer le streaming, attention, j'appuie, rien n'explose. Oula. Tu as un écran noir. Ouais, il y a ta voix qui est partie grave en cacahuète, mais Là, ça va je mieux quand comprends. même. Oui, Là, ça c'était va mieux, Skype quand j'ai lancé le truc. Ah oui, c'est vrai qu'on a. Bah si, on a testé pourtant. Ah, c'est censé fonctionner, hein. ouais. Normalement, ça marche. Là, ça va pour l'instant. C'est bon, ça charge. Champignon nucléaire, non, si y en a, c'est faux. Y a rien pour l'instant, c'est l'écran noir. Voilà, je lance le jeu. Ouais, c'est bon, je vois le jeu. Oui, ça marche, tout est bon. Le son du jeu chez vous. Obsession fatale. Ouh. Voilà. C'est bon, je vérifie, tout est bon. Alors moi j'ai une toute petite fenêtre de jeu de chez toute petite. Ah ouais? Mais ouais, vraiment pas grosse. Vous me dites pour le son du micro, tout ça par rapport au jeu, les gens. Et j'ai pas mis le mot de passe. Ah, c'est quand je lance ce nouveau jeu. Ah ouais, c'est vrai. Mais il y a de monde un petit peu. Un petit peu parce que l'intro risque d'être balèze quand même. Hein. L'intro, c'est peut-être bien le meilleur truc qu'on va avoir. On sait pas. Peut-être. Ça capture toujours. Toi, ça envoie toujours. C'est bon, tu vois toujours le jeu Ouais. bien. J'ai le son, j'ai l'image, tout va bien. Bon, alors. Le mot de passe. Parce qu'il y avait un mot de passe pour éviter que les jeunes âmes sensibles, n'est-ce pas, soient. Parce que c'est gore. Apparemment, celui-là, il est plus gore que le premier. Bon, Donc, ceux qui ont moins de 18 ans, s'il vous plaît, vous partez. voilà, exactement. Vous faites des dons sinon. Ouais, Ça n'a aucun je rapport, mais faites-le quand même. Alors, c'est parti, cette intro. Ah oui, c'est très compressé. Les gros traits là, c'est OBS qui fait ça, j'arrive pas à les enlever. Les gros traits horizontaux, mais bon, ça fait un côté Bon, magnétoscope. ouais, voilà, ça fait un petit Je effet sais pas pourquoi ça VHS. fait ça, il faudrait que je bidouille des options peut-être. Attention, on l'a pas vu 10 fois l'intro, nous, c'est ça qui est bien. Pas du Afin de tout. faire une grave attaque psychotique, gardez vos mains éloignées de sa bouche. On va se montrer très violent. Faites bien attention. Gardez vos mains éloignées de sa bouche, ça c'est un conseil un peu pour tous les jours. C'est Hein. ça. Oh putain, c'est pas la nana au bonnet rouge, hein? Si, je crois, ouais. C'est sa sœur. Et rien d'autre. J'imagine, c'est dans chaque épisode à ce point. Et rien d'autre, avec différents costumes. Nom d'un radis. Non, c'est vrai, ton paradis. Avec son fils, t'es son fils, non, c'est ça? Ouais, c'était son fils un peu démoré. Alors, je crois que c'est le héros, ça, non? Monter le son du jeu, car les voix. Ouais, ça, c'est le jeu en fait. C'est que les sons des voix dans le jeu sont plus faibles que la musique du jeu en fait. Attends, c'est que je vois pas le jeu en fait. Mon truc de son, ça c'est embêtant. T'as cette petite musique là? Curtis, vous m'entendez? Curtis, il a dit. Curtis. Curtis, vous êtes en train de faire une attaque psychotique. Nous allons essayer de vous essuyer. On fait une attaque psychotique. Cinéma du futur, attention. Régler le son.
Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah non, je crois que c'était du sang. Ouais, moi aussi, je crois que c'était un bout, je sais pas quoi. Ah, c'est moi, ça, le bugué, mais c'est moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui injectent quoi, du gaz? Sortez-vous. Ah non, j'entends les électrochocs. Du coup, c'est peut-être plus fort. Hein. Attends, c'est que le son du jeu va être trop fort. Ah oui, c'est pour pas qu'il se morde la langue. Alors, il risque d'être un peu plus sérieux celui-là aussi. Ouais. Ça va moins être dans la déconnade et tout. Ça a l'air d'être un peu plus dark. Comme ce fond très bizarre. Ouais, d'eau d'huile, ouais, d'eau huileuse. Oui, petite musique. Petit synthé. Yay. Franchement, ça colle pas trop quand même au thème, franchement on dirait. C'est bizarre. Film, ouais, film d'action avec Schwarzy, tu sais. Ah, il y a des petits trucs un peu gothiques, des petites cloches. Une année plus tard, donc c'était bien nous alors. Ouais. Alors attention, je pose un pari. Moi je dis, tout n'est que tromperie, on est encore à l'hôpital, tout n'est qu'un rêve. Et tout ça. C'est pas du spoil, je sais pas. Ok. Moi je dirais pas ça. Je sais pas encore ce que je dirais, mais. Quel bel homme. Oh, il met une serviette. Ah bah, putain, il s'habille vite. Et il fait tueur en série, je trouve, comme ça. Oui, il a un peu une tête de barbe. Ouais, c'est. Ouais. Et voilà. Et voilà le beau FMV, bon, qui n'a plus les gens, mais non, alors, le petit curseur en forme de petite dent, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Un petit sandwich à dents. Sandwich à dents. Là, c'est pour se déplacer à gauche à droite. Et nous sommes ce beau jeune homme, n'est-ce pas, qui est beau. On peut pas interagir. Quand on peut interagir, ça se mensure brillant. C'est là. Et on remarquera que les décors ne sont plus en 3D, mais que c'est des vrais décors. C'était en 3D les autres, non? C'était ouais. Comme ça, c'était les photos c'était... aussi. Non, non, ouais, c'était... ça faisait plus effet. Ah ouais, incrusté. Ouais, incrusté, ouais. Ok, alors on va voir le miroir, on va faire. Parce que c'est moi qui joue là, je commande un petit peu, mais Nao, n'hésite pas, hein, si tu veux que je fasse des trucs. Voilà, pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'on va... On va regarder le miroir, alors allons-y. Allez. Je suis beau. Oh, de splendides valises sous les yeux. Effet garanti. D'accord. De toute façon, il fait de l'humour. Avec du doublage professionnel. Et je rigole pas. Alors, il y a une flèche à gauche, une flèche à droite. Gauche, droite. Allez, droite. On y va. Si t'y arrives. Ouais, une très belle décoration, tu vois. Je sais pas si t'as vu derrière lui, il est passé une espèce de masque. Ouais, l'espèce de masque, je sais pas quoi. Là. Ah, une porte avec un truc chelou là. Voir ce que c'est ça. Digicode, je sais pas. Ah non, c'est un petit. Ah, c'est sa boîte aux lettres. D'accord. Ah oui, c'est spécial. Putain, c'est vieux ce genre de boîte aux lettres, non? Et du coup, ça veut dire. Ah, j'ai les lettres, on va regarder. Courrier du jour. Je peux pas le lire. Carte. Ah, il faut que je le mette sur l'œil. Non. Ah ouais, peut-être. Oui. Merci le jeu. Ceci m'aide beaucoup. Jeu vidéo, tu es effectivement très efficace. Une sorte d'hôtel. Oh, je sais pas. Ah peut-être, ouais, tiens. Ah peut-être bien. Ouais. Mais à quoi ça c'est? Clic droit. Non, avec clic droit, je le prends. Mais laisse-moi tranquille. J'ai pas trop regardé. Et clic gauche, ça fait quoi? Ah, ça fait pareil. On n'arrive pas à réussir la première mission. Lire non, mais oui, mais c'est bizarre qu'on puisse pas lire. Bon, bah, on va pas retourner dans la chambre quand même. Y avait pas une autre pièce où on pouvait aller? Y avait droite et gauche. Et bah là, justement, je pense en allant à droite, je vais à la gauche de l'autre point de vue, en fait, je pense. Vu comment c'est. Est-ce que je vais dire ou pas? Attends, non. On va revenir dans la chambre. Hop. Ah non, parce qu'il veut pas. Ah. Non, putain. Voilà, là tu vas dans la chambre. Alors, pas. Non, mais on va prendre du temps. Oui, allez. Voilà, et là on va à gauche. Et on va arriver dans le salon, je pense. Et ils ont une petite scène filmée pour chaque. Et dans la chambre, il n'y avait rien d'autre? Rien d'autre? Non, je crois pas. Et rien d'autre? Avec le miroir, on peut regarder voir. Et hop, le mec fait putain, mais je vais arrêter de faire des allers-retours pour rien. Coup, je sais pas quoi faire. Même le miroir, je peux plus. Non, là je peux pas aller une autre direction. Ah, quoi que si. Je peux aller à droite de la chambre. Ah, bien joué. Ah, voilà. Ah, oui. Les transitions là, par contre, c'est bizarre, on a qu'ils se téléportent. Quoi. Alors, il y a un truc sur la table de chevet. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la table de chevet, simplement. Il y a des livres. Voilà, oh, il y a un livre un peu pornographique, je crois, en bas. Hein. Ah bon? Je sais pas si t'arrives à distinguer ce qu'il y a écrit. Ah oui. Un rêve enfiévré. Oh là là. Enfiévré, oh là là. Oh là là. Dans le tiroir, allez.
Et bah c'est le bordel dans son tiroir, pépé. Ah ouais, il a... Il y a un petit... C'est quoi ce gros bonhomme là, en forme de cœur ou de M&M? Non, c'est un cœur avec des pattes et des petites mains, ça va être ça. Je crois que c'était un M&M, ce début. Moi aussi, ouais. On va voir la photo, ça va être sa femme. Et c'est quoi, c'est une capote ça, sous la main du truc, c'est vrai que... Bah, mais oui, en plus. On dirait bien. Ah merde, mais oui. Ouais, c'est bizarre comme message, il y a un cœur, il tient le cœur. Ok, d'accord. C'est... Et là, j'ai un tournevis. Ah putain, mais oui, mais t'as eu raison. On a bien fait de regarder, du coup, parce que le tournevis... Alors, par contre, voilà, moi, je vais... Bon, apparemment, je peux pas... Et comment on fait pour une description? C'est quoi? Lire les commandes. Attends, je regarde un peu. Générique, non. Ça, c'est quoi? Aide en ligne. Ah bah non, en ligne, ça va être compliqué. Je veux juste les touches, moi. Bon, on va se débrouiller. J'aimerais bien juste voir si on peut... Je veux juste... Regardez la photo. On peut la voir en plus gros, ok. Magnifique. Très belle perruque de madame. Bon, sortie. Hein. Ah non, c'est bon. Je crois que j'avais quitté le jeu. Non, se paume pas. Eh hey. Ah bah là, c'est pas moi qui joue, alors je peux pas me paumer de toute façon. Ouais, mais c'est toi qui donne les ordres. Un petit peu de ta faute si on se paume aussi. Je crois qu'on peut, l'envisager. Bon, là, c'est tout ce qu'il y avait, je pense, à fouiller. Hein. Puis là, se perdre dans un appart, compliqué quand même. On peut tout, toujours, on sait jamais. Ça débute doucement, hein. On l'a pas trop entendu. Ouais, c'est vrai que comme là, les doublages vont être corrects, ça risque d'être un peu moins rigolo. Je vous cache pas que... Mais je peux pas aller ailleurs. Ah si, là, hop. À gauche, toutes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Il y a la cuisine dans le fond, mais... J'ai pas le droit d'y aller, il veut pas y aller. Une espèce d'hôtel ou je sais pas quoi. Non, une cage. Ah, c'est une cage, attends. Bonjour, Blab. Ah. Blob. Attends, je sais pas ce que c'est, on voit pas. Oh, un petit rat. Qu'est-ce qu'il fait? Je te laisse terminer ton... C'est clairement un vieux tueur en série quand même. Bonjour Blob, tu es mon seul ami. Maintenant, je vais me préparer pour mon travail, Blob. Moi, je vais rien dire parce que tu m'as jamais vu parler à méchant. Non, mais là, c'est le cliché, mec, il a pas de télé, tu vois, il a c'est sous seul ami. Bon bah alors non, alors bah tu me fais peur là officiellement. Alors attends, je peux aller... Il y a un truc là. Ouais, sur ah, la putain, table. Fallait le voir la vache. Oh c'est Gus DX, regarde. Oh putain, c'est si. Beau quoi. Attends, on va l'avoir en plus gros. Ouais, et ouais, non, c'est pas... Ça fait penser à Blobfish un peu, ouais, Sienne, c'est ça. Blobfish, c'est le poisson là, dégueulasse. C'est le poisson qui ressemble à rien, ouais. Il y avait juste la photo, alors on va l'appeler Gus. Et là en bas, je vais où si je fais en bas? Ah, un téléphone. Qu'est-ce qu'on a? Il faut se prendre des trucs dans l'étagère, a priori. Un petit tableau, là. On va aller voir le petit tableau. Qu'est-ce que c'est ça? Une photo? Ça, c'est développeur, non? Ah bah oui, ça se peut en plus, ouais. Je suis bête. Ouais, il y a des chances. C'est pas très bien caché. Bon, on s'en fout, quoi. Et dans l'étagère. Là, c'est un passage secret. Derrière, il y a une armoire avec des flingues et tout. L'adieu aux armes. Peut-être. Peut-être. La maison de la mort, meurtre à la plage. D'accord. J'ai lu tous mes bouquins au moins deux fois. On est d'accord que mes théories se confirment quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Les bouquins qui disent oui, comment tuer un président. Ça a l'air bizarre, ouais. Comment assassiner JFK pour les nuls. C'est un pervers psychopathe en fait. Il fait des il fait des attaques en plus. Et comment ils disent qu'ils... Comment ils disent psychotique. Psychotique, ouais. Psychotique. Sauf que là. Je ne sais pas quoi faire, je crois avoir fait le tour de la bâtisse. Bah, sinon, essaye de partir. Hein. Eh ben oui, tout simplement. Ouais. Allons nous promener, je ne sais où. Ah bon, on y va. Ah, attends. Il se tripote oh, le merde. Cul. Mon portefeuille. Ah. C'est palpitant de ouf pour l'instant. Ouais, faut que ça... Mais non, mais ça va claquer après. Il y aura du sang, du gore, des boyaux. Où est-ce qu'il serait son portefeuille? Si tu étais le portefeuille d'un tueur en série, où est-ce que tu le mettrais? Je sais pas. Dans le tiroir de la commode, il y avait rien d'autre, non? Enfin, pas de la commode, mais de... La table de nuit? Ouais. Il y avait rien. Je retourne en toute hâte. Ça va, ça marche toujours bien, toi, pas de lag ou quoi? Non, non, nickel. Ah ouais, là, carrément, il dit pas de portefeuille. Ah ouais. Donc voilà. Il est en mode recherche, quoi. La tronche, elle a l'air tellement naturelle et tellement... En même temps, on te dit, tu vois, on te filme, on dit, bon, ben là, tu prends une pause naturelle, puis t'attends pour qu'on fasse une boucle. Ah, dans le canapé, rien. Ah, c'est... Non, attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ouais. Ah, oui.
Ah, il est dégueulasse. Blob. Des vieilles cacahuètes. Ouais, ça c'est Blob, il dit, c'est de la faute à Blob. Blob. Pourquoi il l'appelle? Je sais pas où est là, Blob, va chercher. Bah quoi. Ah alors. C'était un chat ou un chien quoi. Je vais essayer avec le tournevis parce qu'il est trop petit au bras. Ah mais je peux pas en fait. Bah. Oui. Va chercher Blob. Genre c'est Blob qui va nous le chercher? Ce serait cool. Peut-être. Ce serait badass quoi. Mais tu le considères comme ah, je vais essayer, attends. Il l'appelle. Non mais attends, ce blague il le fait en plus. Sérieux? Je sais pas. Avec le tournevis, ça... Mais oui! Odieuse petite rate, tu as pris mon portefeuille. Avoue-le. What? Mais alors, genre, c'est pas ton rat qui a pris ton portefeuille, c'est pas possible. Il dit ça pour rire, mais malgré tout, c'est chelou, non? Mais j'ai le rat dans l'inventaire. J'ai le rat dans l'inventaire, tout va bien? Non. Mais ça me dit pas comment je... Alors, attends, je peux plus accéder au... Au pire, il peut soulever son canapé. Bah oui, non, mais il est cool, mec. Alors, je peux plus accéder au canapé, ça, c'est chiant. Ah. J'ai plus l'icône... Ah bah si. Très bien, femme morveuse. Ça changeait plus la couleur du curseur, mais si, en fait. Tu vas devoir me le rapporter presto. Mais c'est une blague, il accuse vraiment son rat? Va me chercher mon portefeuille. Blob, sors de là. Oh non, ça marche pas. C'est débile. Ah, c'est spécial, hein. Ah oui, c'est tout. Et maintenant, on fait quoi? Mais j'ai essayé avec le tournevis, tu voulais pas? On va chercher un autre rat pour qu'elle aille chercher ce rat là. Mais. Bah putain, mais ça commence fort dans la débilité quand même. Un truc pour attirer le rat en dehors du. Ouais, peut-être. Du fromage. Mais il a déjà bouffé là-dessous. Je peux pas aller dans la cuisine. C'est que pour éviter le clic, hein. Je peux rien faire d'autre, j'ai pas de touche. Je te dirai si je vois l'icône s'allumer. Ah mais du coup des fois c'est... là je sais pas du coup, il y a du niveau, ouais non là c'est très curieux. ce jeu de ouf là, ça commence... ouais, c'est intense hein. Vise dans une... Bah je sais pas quoi faire, problème. Merde. Mais pourquoi il tire pas son canapé quoi? Attends, j'ai le courrier, le tournevis... Ouais c'est avec le courrier hein, où j'en suis. Non, je sais pas. Je clique un peu partout. Avec la photo, tu fais glisser la photo sous le rat et après tu retires. On essaye. C'est comme la clé et la feuille, c'est... Ouais. Non, il n'y a rien qui... Et le tournevis, je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est carrément faisable, hein. Tu mets le tournevis dans le rat et puis... Non, bah bravo. Quelle est sale. Mais quelle est sale. Bon, il veut pas repartir, je pense. Jamais sans mon rat. Bah je suis dans la chambre, c'est pareil, j'ai rien. Si la commode, il va dire quoi? Il va dire non, pas de rat ici. Ah, il peut le regarder de nouveau? Ah, je peux prendre... Ah oui, regarde. C'est quoi? Une barre chocolatée, je pense. Ah. Il y a une mini souris en plastique aussi, ou je sais pas quoi, là. Ouais. La capote est toujours là. C'est M&M, soit il me perturbe, là. Moi, je dis, il fait des trucs pas propres avec le rat, c'est pour ça la capote. Oh. Ah bah c'est Blob, c'est pas Blob pour rien. Hein. Il est tout Blob, non, ça va dégueulasse. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ah bah c'est le genre du jeu, hein. Pareil que c'est gore et tout, machin. Ouais, mais là, non. Attends, mon micro est un petit chouïa faible là. Ouais, pas trop. Alors, maintenant qu'on a la petite barre en chocolat. Allez, viens la Blob. Ah oui, c'est que l'icône de l'objet s'illumine, ok. Voilà. C'est quand même très très compliqué, hein. Comme les premières énigmes, c'est bizarre. Ouais, c'est spécial. Hein. Hey, tu veux manger? Hey, petit bébé. Ah, te voilà enfin. Je te tiens. Ça commence moins vite que le premier quand même. Hein. Le rat, il a vraiment ramené le portefeuille. Mais non. Bon, j'ai mon portefeuille, écoutez, on emmène le rat avec nous et on essaye de partir avec le rat. Ah, il va dire quelque chose, non? On verra, on verra. Il invite une fille dans l'appart. Hop là, sur son épaule et tout. Oh mais qu'est-ce que je fais? Tu ne peux pas venir avec moi. Bob est l'unique rat autorisé à Wintech. Quoi? Bob? Bob, c'est un autre rat qui est là où il bosse, ce que j'ai compris. Ouais, ok, d'accord. Bon, au moins ils y ont pensé, c'est pas genre... Ils auraient dû penser à qu'est-ce qui se passe quand on se barre avec le rat, tu vois, un truc alternative. En tout cas, c'était intense, hein, dis donc, si c'est pas ça. Ouais, c'est fou, loulou. Allez, cette fois-ci, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut, tu prends pas ta capote, c'est bon. Il repose son courrier en plus, ce con. Et ton M&M's, non?
pourquoi il a reposé le courrier? Je sais pas du tout. Alors je peux aller chez des gens, je sais pas qui c'est. J'imagine que c'est dans... Curtis, bah c'est chez nous. Dans ce genre de jeu, oui, mais Arbre des Rêves, c'est quoi? Je sais pas du tout. Bon, bah Wintex, elle est où on bosse, je pense. Où est-ce qu'on va en premier? Tic. Au boulot, peut-être, non? Allez, au boulot. On est des fonctionnaires. Travaille bien, d'eau. Oui, j'ai cliqué. Oh, putain, mais... oui, alors, allez. Oula. Alors, là, je peux essayer les trois ports. Je suis celle de... électeur de cartes, là. Ah. J'ai pas de carte, par contre. Voici la porte. La porte est ouverte, ouais, quand même. Non, il faut le lecteur de carte. Allez, l'autre porte à droite maintenant, il faudra tout faire. Ah, ça s'ouvre. Ah, l'incrustation. Ah, mais regarde, le petit logo sur les caisses, c'est le logo de mon truc. Ah ouais. C'est mon curseur. C'est le logo de la boîte, quoi. Ah, mais c'est un W en fait, c'est pas des petites dents. C'est un W qui est avec du noir autour. Ah ouais. Ah non, Winetech, ça s'appelle un truc comme ça là. Machin. Ah oui, oui. Un oui, W, oui. On le voit mieux sur les caisses derrière. Oui, oui. Waouh, mon esprit. Ah là là, fou. Ah, il nous en faut pas beaucoup, mais. Alors qu'est-ce qu'il y a de petit bureau là? Ouh là là, ouais. On a un ingénieur de la technologie là. Mais non, j'ai pas accès au tiroir et j'ai accès à rien d'ailleurs. Je peux. Ah, mais où je suis là? Ça se retourne, tu comprends plus rien. Mais oui, ça fait des angles de vue tout chelou. Non, je peux vraiment pas aller voir les tiroirs. Cameraman. Là, c'est pour ressortir en fait. Ah oui, ça me tourne et hop. Ouais, d'accord. Mais attendez, on pouvait aller à gauche. Je voulais aller là, moi. Là. Alors, qu'est-ce que c'est? Des caisses de chez nous. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on fabrique? Un endroit où ça fume des substances un peu licites, ouais, j'avoue. Ouais. Ça se peut. On est en train de fumer l'arbre en question. Qu'est-ce qu'il fout? Moi, je voulais juste regarder ce qu'il y a dans les caisses pour que tu déménages. Hein. Qu'est-ce qu'il prend? D'accord. Un écran. Ah, il y a un petit truc derrière. Ah, for, ouais, non. Il l'a vu sans que nous, on le voit. C'est assez drôle, quand même. D'accord. Il y a un bruit bizarre. Ce... Ah, tournevis, tournevis. C'est tournevis, ouais. Si on se trouve à Fort Boyard, prends le tournevis, prends le tournevis. Vas-y. Allez, c'est parti. Putain, imagine, t'as pas fouillé chez... Mais non, mais pas comme ça. Qu'est-ce... Moi, je voudrais qu'il y mette ça dans le trou, tu sais, qu'il n'y a pas de poignée. Bah, parce que... ouais, mais peut-être que c'est pas un truc à poignée, en fait. On croit, mais là où on est, mais... Ça marche pas, putain. Hein. Et ils ont quand même prévu une animation, quoi. Bon, bah, ça a pas l'air de marcher... Je vais pas... prends Blob. Mais je l'ai pas. Ah mais il replace tout, putain, il est pas... Ah, peut-être pas tout quand même, juste ça. Putain, imagine, il remet tout, quoi. Ou ils mettent la même séquence et en à l'envers et... Ah mais si. Ah oui, c'est... non, il remet tout, ouais. Mais putain, c'est gentleman du déménagement, ouais. Je veux que ça soit rangé. Voilà, je suis un tueur en série névrosé, c'est bien tout rangé, j'ai des tocs et tout, quoi. Super. Apparemment, il se fera pas. Bon, bah, il n'y avait pas grand chose, mais ce sera pour plus tard. Bon, on sort. Hop. Et je sais toujours pas quel travail on fait. Hein, ok, ça, on est. C'était un peu plus clair, Fantasmagoria, quand même, le premier. Ouais, là, pour le moment, on est un peu perdu, ouais. C'est qu'il est passé par là. Oui, d'accord, mais enfin. Jeu vidéo. Pourquoi le chat, putain, c'est tout chelou, mon chat, sur le. Pourquoi il me fait ça? Le chat déconne un peu. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est OBS qui... Bah, c'est le vieux OBS, moi, que j'utilise. Attends, on va faire autrement. On va capturer la fenêtre, le chat. Attends, hop, Twitch. Voilà. Juste intérieur. Voilà, on va faire comme ça, comme des petits cochons. Comme des petits ça cochons. Ça va pas être propre. C'est moi qui vous le dis, les enfants. Hop. Voilà, on va mettre un peu plus gros. Et quasiment rien à voir avec le premier. Ah ouais? Ben oui, alors du coup, si... on va peut-être être déçu. Hein. Je sais pas. Ah, attendez, hop. J'ai bien aimé quand même le coup du rat, hein, écoute. Hein. Moi, c'est bon. Ma soirée est accomplie. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà, là, comme ça, c'est propre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben la porte. Non, pas le tournevis. Non! T'en vas pas! Curti!
Reviens. Mais non, putain, non. On va à Wentaik. Curtis, alors, qu'est-ce que tu fais là? Hop, on avance. Ok, ouais, il faut la carte. Ok. Ah d'accord. Okay. Ah oui, il s'est planté devant la porte et je peux plus bouger. Non. Une porte vitrée, c'est ça. Ah, elle est fermée. Ah. Ah oui. Non, non. Et il faut la. Ouais, et il faut sans doute la carte. Ah ouais, d'accord. Et si le mec qui bosse ici, il a pas une carte sur lui? Mais peut-être qu'on y bosse pas. On se pointe dans les boîtes comme ça, random. Bonjour, c'est Curti. C'est pour mon prochain meurtre. J'ai repéré les lieux, tout ça. Bon, on va aller toi, voir. Toi, t'es une tête de con, je vais te tuer. L'arbre derrière. Allez, on va fumer un ouinge un petit peu. Ah, oh, c'est fermé. Ah non. Mais comment on va faire pour fumer notre ouinge? Ah non, mais attendez, putain, il se barre du truc. Bah merde, on est déjà bloqué. Ça commence bien. Ah merde. Je sais pas. Attends, on peut avoir deux lettres, je crois. Ah bah non, c'est en ligne, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dans le portefeuille? Vu qu'il voulait absolument qu'on prenne le portefeuille avant de partir. Ah exact. Oh, t'es trop forte. T'es très très forte. Ah, je dis bravo. Ah, je dis, il y a le GG. Dans la boîte. Tu sens qu'il y a des gens qui s'y connaissent en jeu vidéo dans cette entreprise. Ce live plutôt. Alors, voici. Allez, pointe de clic, j'avoue, c'est mon dada. Alors, j'aurais les pas pensé. Jeux, non. Là, j'aurais pas pensé, je suis plus. Ok, j'ai passé. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est des quoi? Ah, c'est des petits bureaux, ah oui, c'est genre des petits. Ah ouais. Avec des lampes. Open space, ouais. Qui servent à rien. Un petit verre d'eau, allez, j'ai soif. J'ai grand soif. Toute cette activité m'a donné soif. Je ne me suis pas lavé les mains depuis que j'ai touché mon rat aussi. Je vais vraiment faire ça, quoi. Juste, je bois un coup d'eau. Mais peut-être je gagne un gobelet. Ah bah non, il le jette. Non, mais ça va servir quand j'aurai besoin d'eau. Alors, on va aller voir le premier truc, là. Mais en fait, c'est quoi ce boulot? Putain, puis on voit rien. Les angles de caméra sont tout bizarres, quoi. Ouais. Et y'a personne? Alors, attends, bah non, on dirait pas. Qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? Il est quelle heure de la journée? On sait même pas. Ouais, écoute, il a fait son petit épisode psycho. Ah, je peux m'asseoir. Je crois que je suis à mon bureau. Bah, on va travailler. C'est un jour, on travaille. Écoute, pourquoi pas. Bah, allez. Les deux, ce qu'on fait. Il allume un ordinateur et nous aussi on joue dans un ordinateur. Eh bien, Flagus. Au bel, au bois dormant. Le doublage. Alors, tu as veillé très tard pour regarder Beavis et Butt-Head ou as-tu rangé ta magnifique collection de timbres? En réalité, je me suis levé tôt ce matin. Mon roi m'a volé mon portefeuille. Oh, ça clash. Oui, une très belle histoire. Oui. Je me suis levé tôt, j'ai cherché mon roi derrière pendant 15 minutes. Ça va être un gros relou, Gus. Hein. Côté, j'ai une vie active. Un peu, ouais. Si, je suis sorti. J'ai dansé jusqu'à l'eau. Oh là là, ce déhancher. Oh là là. Et je suis venu doucement. À l'heure, et j'ai vraiment pris mon pied. Ton pied, hein? Tu sais, on pourrait mal l'interpréter. Ne commence pas. Ne commence pas ça. Va falloir que j'aille bosser monstre homophobe. Il serait pas un petit peu... Ah mais oui, mais si, monstre homophobe, il a dit, donc voilà. Ouais. Et quand il a dit, j'ai pris mon pied, l'autre lui a dit, on pourrait mal interpréter ça. Oui. Et l'autre lui dit, c'est homophobe. C'est-à-dire qu'il a mis son pied dans son cul. C'était ça la blague? Quoi? Je sais pas, je comprends pas pourquoi. J'ai pas compris ce dialogue de toute façon, mais bref. Le mec a une photo de son bras. C'est si mignonne, Blob. C'est Blob, il a... Ah, c'est une femelle en plus, tu es si mignonne, il a dit. En plus, c'est marqué son petit nom. Blob. Mais je te dis, le mec, bon, gros, c'est un asocial, voilà, qui. On se fout de sa gueule. Il est fou, ce mec. C'est quoi ça? Bob. Le portrait géant de Blob, ouais. Alors, Bob, c'est l'autre A, Trevor Ben, moi. Ça doit être quoi, les numéros de. De téléphone, de poste. Attends, je les note parce que dans ce genre de jeu-là, bien sûr. Alors, Trevor. Est-ce que c'est pas celui qu'on vient de voir? Je ne sais pas. Moi. Attends. Jocelyne. Oh putain, mais Jocelyne, hein. Ah oui. Ah, c'est la version US, tu vois, c'est tout de suite plus classe. Tu mets un Y, Jocelyne, tu vois. C'est ça. Eh oui, les Américains, ils se connaissent mieux que nous, un prénom. Thérèse. Bon, bah ça, Thérèse, par contre, c'est pareil, c'est de la merde. Alors, bien sûr, c'est faux. Bon, alors, Bob, moi... Ah, mais en fait, Bob, tu sais, quand il a dit qu'il n'y a qu'un seul rat qui a le droit d'être au boulot, c'est Bob. En fait, c'est pas un autre rat, c'est un mec dont il se moquait, je crois. Et c'est le Bob qu'on voit là. Mais oui, parce que, à moins que le rat ait un numéro de téléphone, ce que je trouve un petit peu... Oui, c'est ah, on pourrait. Voilà, ça, les notes sont prises. Alors... Peut-être que l'histoire tourne autour des rats, en fait. Hein, parce peut-être. Que là, c'est bizarre. Ah bah tiens, je peux interagir, je peux prendre le téléphone.
Je vais composer le numéro. Qui c'est qu'on appelle? Je suis dit. Ah bah ouais, moi aussi. Alors 6992. Alors hop, attends. Coucou Xenom. Salut Xenom. T'as reçu une notification, bah voilà, c'est de ta faute. Ici Jocelyne. Merci pour la nuit dernière. Oh, merci Monsieur Warner. Vous avez été génial. Hé hey. Oh, c'est toi, Curtis. Tu as été très bien toi aussi. Hein? J'ai pas compris la vanne. Parce que, hé, hey, Jocelyne, c'était bien. Elle a dit c'était bien un autre mec. Hey, moi aussi, ouais. J'étais bien. Mais c'est quoi, c'était un plan A3? Je comprends pas, je croyais qu'il avait passé sa soirée avec Lera, je ne sais pas. Est-ce que j'appelle... Qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Écoute, on va résoudre le mystère de Bob de ce pas. Allez. Et on entend quiz, 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 quiz. Quick, quick, quick. Attends, il a dit un truc que j'ai pas entendu. Ah merde. Ça se d'occuper. Ouais, en gros, il a dit, je crois, c'est comme si j'avais envie de parler à un gars comme ça, quoi. Ah. Bon, en même temps, s'il traite le mec de rat, c'est qu'il doit pas trop l'aimer quand même. On va appeler Thérèse. Allez, Thérèse. Allez, Thérèse, il aime bien. Bonjour, Thérèse. Thérèse, c'est Curtis. Bonjour, Thérèse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu. Je sais pas. Je m'ennuie. Allez. Ça va te sembler vraiment ridicule, mais j'ai oublié pourquoi je t'appelais. C'est effectivement ridicule. Thérèse n'aurait pas faux de penser, n'aurait pas tort de penser ça. Mais c'est genre, mais qu'est-ce qui me prend de faire toutes ces choses comme si quelqu'un me contrôlait? Ouais, c'est ça en fait, c'est énorme. C'est comme si il comprenait vraiment pas ce qu'il faisait. Je fais 15 allers-retours chez moi ce matin, j'ai pas compris. Non, mais je voulais pas vraiment que tu travailles, moi, je voulais faire quelque chose. Ah, fort, oui. Oh merde, j'ai changé mon mot de passe. Tu l'entends, mon fils? Non. Bon sang, qu'est-ce que c'était? C'était quoi son mot de passe? J'en sais rien, moi. Il a un mot. On nous a pas donné de mot de passe? Non, mais il va falloir le trouver. Et comment je tape au clavier? C'est ouais, pas okay. Ça les mots de passe là, regarde. Non, ça c'est les logins, tu vois, de chacun. Ah, oui, oui. Curtis C, Curtis Crane. Ah mais je peux me connecter avec le compte des autres si j'ai leur mot de passe aussi, c'est intéressant. Ah ouais. Ça. Bah pour l'instant, on a pas... Oh, waouh, il a fait space, c'est bon. Il a pas mis sur un post-it, non, on faisait ça, sous le clavier, il y avait un post-it. On avait pas le droit, mais on le faisait quand même. Non mais là, si je clique là, ça va me mettre sur l'ordinateur, il y a des petits post-it, mais... Ou alors c'est Blob, vu que le mec genre... a un post-it de son bras. On essaye? Oh, on va essayer, tiens, c'est pas con. Alors, Curtis... Ah ouais, c'est Blob. On essaye Blob, attention. C'est ça? Mais merde, c'est ça? Attends, il vient de se prendre une baffe... Ouais, mais ça... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est Space? Mais je crois que c'était vraiment ça, vu que ça a lancé la suite du... Non, je me suis trompé, je me suis pris une tarte. Tu perds un point de vie, mais littéralement, tu sais. Oh, je pense pas, il y a du sang et tout sur le clavier. Du bon ketchup. Monstre. What? Pardon? Quel va? Ah non, ça s'arrête là après. Ça a l'air space le jeu. Mais c'était ça parce que je peux plus cliquer sur l'ordinateur. Ok. Ok, mais on va vraiment avoir peur, écoutez. Bon, on va aller se balader, on va essayer de voir si Thérèse... Hein, Thérèse, hein, on sait avec quoi ça arrive, mais on va pas faire la blague, parce qu'on est sage, parce qu'on est classe. Oui. Allez, on va voir Argus. Oh, qu'il est beau. Oh, magnifique. Bonjour, je me suis pris une tarte invisible d'un fantôme. On peut peut-être salut, lui dire. Salut, je sais pas, madame, voilà. Quoi de neuf? Ah oui, Siona, désolé, il n'aime pas les majuscules, Nightbot. Qu'est-ce que tu as au visage? Il va essayer de si me toucher. Je te disais que j'en sais rien. Merde, Trevor, j'ai l'impression de devenir fou. Curtis, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, quelqu'un t'a frappé à coups de poing? Je jure devant Dieu que j'étais assis à mon bureau et. Mais je t'ai vu. Quelqu'un m'a frappé, seconde. Mais oui. Il y avait personne. Ça a l'air dingue, hein. C'est juste totalement psychotique. Non. Si, bah si. Bien sûr que non. Non, et tu te rappelles quand... Il se casse. Qu'est-ce qui joue bien, Trevor? Non, non. Caché dans le cagibi avec une tronçonneuse. Probablement que c'est un virus. Kurt. Ouais, t'as raison. Probablement que c'est un virus. C'est sûrement ça.
Un ouais. virus quand tu te prends des baffes invisibles, c'est Mais chaud. oui, c'est un virus. Tu te souviens quand j'étais fou? Bah, c'est un virus, c'est terrible. C'est ça. Bon, écoute, Trevor est occupé à faire des trucs de game. Bonsoir, Netlavart. Qui est où? Bonsoir. Eh ben, je le vois pas, il dit bonsoir, Simon. Ah oui, là. Ah bah ça a dû être décalé. Bon, on va laisser Trevor tranquille, il n'y a rien à lui piquer sur son bureau. Ah. Attends, hop, je pense à... Allez, salut. Ah bah non, mais moi il me faut des petits objets. Alors voilà, je suis encore paumé, je sais pas dans quel sens je suis. Alors, C'est un peu bizarre, ouais, les angles de caméra. Ok, On est un peu trop alors attends, on a un autre bureau là. On envoie les clés. Oh là, c'est qui? Ah mais ça doit être lui, Bob, c'est le rat. J'ai une tête à s'appeler Bob lui. Ah ouais? On va voir, attends. Mais il est connu en plus, l'acteur, je Tom, crois. Non, Tom. Ah, navré c'est de vous Tom. déranger, mais j'ai presque terminé le dossier vénimien aujourd'hui. Je me demandais si... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Oh. On n'a rien fait du tout, on n'a pas travaillé, hein, Tom. C'est faux. Salut, Je crois que je vais vous proposer D'accord. la documentation de l'Altoria 9. Génial. Curtis. Génial. Beau travail. Ouais. Mais c'est quoi, j'écris des notices pour appareil ou quoi? C'est le travail le moins passionnant du monde, hein. Je sais pas, j'ai vous filé le dossier pour le tel truc machin bidule. Est-ce qu'il me l'a filé en plus? Non, il m'a rien filé à bas. Il dit je vais vous filer, rien filé. Bon, bon, je sais Peut-être que pas. maintenant on peut cliquer sur l'ordi maintenant, hein? Donc Ah, ok, Nightlord. Bah, ouais, mais taper quoi? Je Enfin. Oh, c'est qui cette. Alors, j'ai cliqué au hasard, je me retrouve. C'est Thérèse! Alors, Thérèse ou Jocelyne? Ah oui, Jocelyne. On tente. C'est laquelle? On va voir. Si bégaye, c'est Thérèse. Oh. Tu m'as fait peur, Curtis. Ah oui, mais non, Oh, c'est sa tu meuf en fait. peur de moi la nuit dernière, n'est-ce pas? La nuit dernière, c'était si. Mais pourquoi il bégayait tout à l'heure? Non, c'était Thérèse qui avait eu au téléphone tout à l'heure. Ah d'accord, ok, donc ouais. Je crois. Est-ce que c'est Bon, bah. possible? Allez-y, mangez-vous la bouche, hein. Faites comme si on n'était pas là. Je t'aime. Je comprends pas. On nous dit hier il a passé la nuit avec son rat et tout, et en fait non. D'accord, bah ça fait plaisir, ça coûte pas cher, c'est gratuit. Je suis contente. Il n'y a pas l'air de travailler dur. On peut recommencer, j'ai l'impression. Encore un bijou, ouais. Non, mais attends, je veux voir si ça change un peu, parce que... Ouais, non, il se passe autre chose quand même. On va Salut, savoir avec qui prendre la capote. Moi je dis c'est le rat quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tous ces secrets? Tu aurais honte de moi ou de notre relation? Non, bien sûr que Ah, non, ok, il veut pas que ça se Je sache. veux pas que tout le monde ici l'apprenne, c'est tout. Peut-être arrête de lui rouler des gamelles au boulot. Oui. Ce sera plus discret. On ira boire un pot après le travail, ok? Oui, ok. Le mec, il doit avoir du rouge à lèvres de la meuf toute la journée partout, tu sais, sur ses fringues et tout. Non, je veux pas que ça se sache. Il roule une grosse pelle après le 17, quoi. Hé, discret, ok? Putain, avec Oui. Curtis, il est bipolaire. D'un coup, il fait, vous êtes qui, madame? Non, mais oui, mais il a l'air de plus en plus fou, là, plus on avance. Alors, putain, ouais, c'est très très dur de viser précisément où on veut aller, quand même. C'est compliqué de se repérer sur C'est la ça, chambre, c'est on n'est ça. plus où on est, là. Quelle logique du soir, espoir, Night Lover. Alors, j'essaie cette porte fuchsia. Ah, mais c'est la sortie! Putain, mais ouais, mais non, mais c'est chaud! T'as vu, on comprend rien, quoi. Alors, Est-ce qu'on retombe bien vérifier qu'on a tout vu? On va essayer la porte du fond vitrée maintenant qu'on a le badge. Ouais. En go la porte vitrée. Allez. Tac. Est-ce que j'ai le niveau de sécurité requis? Non, je crois pas. Ah merde. Je sais pas. Il fait genre c'est nouveau pour lui. Bon. Bah non. Alors attends que je me trompe pas de porte. Du coup, c'est cette porte-là qu'il faut prendre. Il va pas me faire repasser. Ah ouais, très bien, très bien. Le jeu y a pensé, il me fait pas ressortir la carte à chaque fois de l'inventaire. Heureusement. Bah, je sais qu'il y en a eu. Bon, alors. Là, c'est Trevor. Là, c'est notre bureau. Là, c'est qui? Là, c'est Du coup, Tom. ouais, on peut peut-être travailler. Maintenant que Tom nous Alors. a dit Attends. travail. Mais pourquoi je rentre chez Thérèse ou je sais pas qui? J'ai toujours pas compris laquelle c'est en fait, elle. Je sais pas. Je crois que c'est Jocelyne. Attends, parce que j'arrive toujours pas à sortir, voilà. Mais moi, je suis où là? Où mon bureau? Ah voilà. Alors là c'est Trevor, là c'est moi. Entre des cartes à différents niveaux. Ah bah non, c'est bon. T'imagines? Alors je me remets assis. Mais ça c'est pour téléphoner, je crois que je peux me mettre assis au final. Mais...
c'est qu'on n'a pas appelé? Et c'était qui en dernier? Bah, on n'a pas appelé Trevor. Bah, on l'a été lui parler, donc. Ouais. Il a peur de s'asseoir maintenant, le con. Tu m'étonnes si tu sais que c'est une chenerie. Ah, Po, c'est qui Po? 6996. Ah, ouais, c'est Po. Peut-être dans Kung Fu Panda, là. Il s'appelle pas Po? Non, il s'appelle Po, mais c'est pas écrit comme ça. Essaye d'appeler Po. Oui, Paul Warner. Paul Warner, hein. Monsieur, ici Curtis Craig. Je... Curtis, comment allez-vous, mon garçon? Je vais très bien, monsieur, merci. T'en dirais qu'il transpire. Vous avez demandé à être informé quand la documentation budgétaire serait finie, et je l'ai mise sur la base de données du réseau, tard hier soir. Au travail, mon garçon, au travail. Ça, je le fais, je le sais pas, moi, le joueur. Vous savez, je suis votre carrière de très près. Je suis une sorte de comptable, en fait. Enfin, on est une sorte de comptable, ouais. Il lui a même pas répondu. Oui. Ah, vous êtes mon employé préféré, je suis votre carrière au cul, réponds-moi plus. N'importe oh là là, quoi. Bob, il veut pas lui parler. Tom, je l'ai lui parler. Bon, je peux appeler Trevor, mais on va essayer. Ce sera appelé Popopopo. C'est pas grave. Ça sonne. Bonsoir, Trevor, c'est Jean-Pierre Foucault. Mais pourquoi tu m'appelles Curtis? Ah. On est juste à côté. Je ne devrais pas le déranger. Il dit, ouais, il répond pas. Bon. Bon. Ben, je sais pas. Mais du coup, le PC, on peut plus essayer? Non, je crois pas. Enfin, c'est. Non, je crois que j'ai passé la souris. Ah, on peut skipper les scènes aussi, ça c'est cool. Ah, bah si, on peut, t'as raison. Putain, mais t'es trop forte. Ah! Ah, voilà, regarde. Oh là, je peux fouiller dans les dossiers. Arnold. Il y a un dossier Thérèse. Oh là là. Thérèse B. Attention, il y a des nudes. Non. Teinture.doc. Rapport de la recherche américaine compilé et par Thérèse Benning. Sauf que. Non. Sauf que je peux pas le lire. Super. Ouais. Ou alors, faut que je double-clique. Non, je vais pas sentir. Retourne. Bizarre, on dirait qu'on. Il y a un petit ascenseur, mais non, il n'y a pas de curseur. Bon, bah non. Alors, Curtis, ça c'est moi, je n'ai aucun dossier dans mon truc. Ah. Ouais, il y a le truc que Tom il a dit qu'il m'enverrait. Pourquoi il marquait Bob? Ah, c'est Bob. Bob Arnold, ok. Archive. On va réessayer. Ah, il y a un mot de passe. C'est Blob, c'est ça? Ouais, ouais, c'est Blob. Ah, réessayer, ça ne marche pas. Donc, c'est pas ça. Alors, salarié, qu'est-ce que ça fait ça? Ah, il y a le numéro de poste et qui fait quoi, d'accord. Directeur général Rowan Jocelyn des achats. Et du coup, on n'a pas trouvé Bob en fait. Ouais, Bob est rédacteur technique, pas 614. On sait même pas ce qu'ils font ces gens-là en fait. Je veux pas faire grand. Attends, regarde en bas, il y a un petit truc, là, une boîte aux lettres. Lapin blanc. Fantasme. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est les mails. Ah. Curtis Craig de Trevor, il m'a envoyé de lapin blanc. C'est l'histoire d'un mec. Ah, c'est une blague. Ah, Trevor, c'est notre blagueur, attention. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui a un couple de lapins et ses lapins sont vraiment vieux. Un jour, il se réveille, ses deux lapins sont morts. Il est très triste, il cavale sur les joues, pas à ne plus jamais les voir. Il les met dans une boîte capitonnée de soie et les emmène chez l'empereur du coin, ok. Il pose la boîte sur le comptoir, il dit au taxidermiste, c'était mes petits lapins dorés, je voulais les garder pour toujours. L'empereur dit d'accord, on voulait les faire monter. Non, dit le type après un instant de réflexion, juste qu'ils se tiennent la main. Les faire monter? Je ne sais pas non plus. J'ai pas compris la Je crois que la traduction. Ne fonctionne pas alors comme ça. Comment ça va, Kurt, aujourd'hui? Vieux lapin du bruit. Faire des réponses. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait comme réponse? Réponse sincère, humoristique. C'est quoi humoristique? Bah humoristique, ouais, la rigolade quoi. Petite blague, ironique ou sincère. Mais je crois que si je clique, ça choisit pour de bon, je pense, non? Ah, je sais pas du tout. Allez, humoristique. Comme tu veux. Alors du coup, on voit la réponse que je lui envoie toute seule, parce que c'est pas moi qui choisis. Alors je lui refais une blague. Ah, c'est ça humoristique, c'est son troisième lézard, une tortue et un lapin qui s'associent pour vendre du fertilisant. C'est quoi ces blagues de télé? Les affaires démarrent lentement, mais au bout d'un moment, ils se mettent à avoir de plus en plus de clients et ça marche bien. Ils emménagent tous les trois dans une jolie petite maison. Un beau jour, une dame opossum leur demande s'ils peuvent lui fournir du fumier. Mais putain, mais. Du fumier de gnou. C'est violette africaine. What? Il tire à la courte paille et c'est le lapin qui les sort pour désigner pour aller en Afrique.
Comme cela se passe il y a très longtemps, voyage sélection bateau. Oh là là, les vannes alambiquées, mais le machin, quand la part revient, plusieurs mois passés, il charge dans un vieux chariot un tas de fumée de gnou qu'il a rapporté d'Afrique et se dirige à son ancienne maison. Quoi ? Quelle n'est pas sa surprise de constater qu'elle a été vendue. En ville, devant on se trouve les arts et la tortue, tout le monde nous dit qu'il y manque celui-là au bout de la route. La panique. Ouais, la vache. Tu laisses art, nourris les canards, monsieur Tortue, arrose les notes. Le lapin, Gloria lui dit, eh bien, Hollandais, que ce lapin apporte le crottin. J'ai toujours pas compris. Wow. C'est quoi cette blague? Alors, je sais pas si c'est la traduction qui est pétée, mais en fait, il y a une rime, tu vois, monsieur lézard ouais. Nourrit les canards, tortue arrose les laitues, et lapin, il apporte le crottin. Ça me rime. Mais c'est juste ça, la ah, je suis pas. Attends, c'est brouillon, je l'ai pas encore envoyé. Ah, du coup, peut-être regarder les autres. Ouais, à annuler. Réponse. Ouais, réponse sincère, tu pues. Pas mal, Trève, elle est très mignonne cette blague. Salace, mais mignonne. Mais elle est pas mignonne ni salace, c'est pas une blague celle de Trevor non plus. C'est des lapins, c'est tout. Réponse ironique. Oh, moi ça va très bien, surtout depuis que tu as éliminé ma journée avec ton humour si recherché. J'ai presque envie de lui envoyer ça. Ouais, allez. Sans me c'est de la merde. Bon, en gros, le gay fait pas des bonnes blagues. Hein. Voilà, ça y est, c'est envoyé, je pense. Voilà. Alors, fantasme. De un fantasme, c'est quoi? C'est qui un fantasme? On sait pas. Ah, ça doit être un compte caché de ma gonzesse qui. Alors, soit Thérèse, toi tu dis c'est Thérèse. Ou Jocelyne. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il y aura trop de sexe, on va devoir censurer. Je me suis merveillé de toi, nous en avons dans une cabane et avant d'échaîner mu, je viens devant la cabane, commence à partir en pièces, mais on s'en moque, on s'arrête pas, on suit, on gémit tout d'un coup, le vent nous emporte, on s'entend tomber, tourbiné. Mais non, ma chair et mon sang. Ouais, t'as un gros problème, dude. Vraiment. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais c'est lui qui a envoyé. Non, c'est on lui a envoyé ça. Ah, regarde, Curtis, il a répondu pendant qu'on lisait. C'est génial. Trevor, il a répondu. Ah ouais. Il a répondu quoi? Attends. Ah, c'est tout en haut, c'est le dernier. Je ne vis que pour t'amuser, Curtis. Tu me fais très peur, Trevor. Ça va, il l'a pas mal pris. Thérèse qui rien. Ah, forcément, Night Lovart, voilà. Zone interdite par Paul. Okay. Ah oui, interdite. Je vais vendre de nombreuses spéculations sur la nature. Troisième étage. C'est de nos clients. Elle a une zone interdite au troisième étage. Est-ce que c'est là où on est? Est-ce que c'est la porte vitrée? Peut-être, ouais. C'est de nos clients. Les pièces à atmosphère contrôlée du sous-sol dans rester exemple de particules. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait comme produit? C'est quoi, ah, des c'est, produits pharmaceutiques, je sais pas quoi. Dans laquelle on travaille, mais c'est pas du tout, en fait. Apparemment, c'est des produits pharmaceutiques, en fait. Et nous, on fait genre les notices, là, ici. Et le mec travaille, mais en fait il passe sa journée à lire ses emails. Bon, ouais, c'est ce qu'on fait tous, quoi, et rouler des galoches à sa copine. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en gros, c'est fermé, quoi. On peut pas y aller. C'est qui ça, André, ici? On a gagné. Service du juridique. Si vous n'avez pas encore appris la bonne nouvelle, la voici. Wintech a gagné le procès qui lui a tenté Madame Fio, Nula et Jester. Notre produit diététique. Ah, bon, on est genre un truc pharmaceutique. Quoi. Ouais, ouais. Les cheveux de Madame Jester étaient bleus avant même la première prise du produit. What? Si Maurice, ça c'est un petit prix. À l'économa, la soirée en gros. Ouais, super, on a gagné un procès, on brasse de Creeper, on brasse de nos produits chelous. Ok, ouais. Alors Trevor, qu'est-ce qu'il nous envoie? Déjà lundi. Allez, encore une blague, putain, mais Trevor, ouais. C'est le gros lourd, quoi, putain. Alors. Coucou Zedek. Cela se passe en Irlande et deux lépreux chauds frappent à la porte d'une église. Le curé répond : je peux vous aider, les gars. Ah, les gars. Je peux vous aider, les gars, putain. Un des deux lépreux chauds s'avance, son copain reste en arrière avec le premier. Je dis : mon père, est-ce qu'il y a des religieuses lépreux chauds dans cette église ? Le curé lui répond : non, mon fils, il n'y en a pas. Alors le lutin dit : mon père, est-ce qu'il y a des religieuses lépreux chauds dans ce comté ? Le curé lui répond : non, mon fils, j'ai bien peur que non. Alors le lutin dit : père, est-ce qu'il y a au moins des religieuses lépreux chauds quelque part en Irlande ? Et le curé répondant, mon garçon, il n'y en a pas. Alors le lutin demande à mon père, dites-moi s'il y a des religieuses lépreux quelque part dans le monde. Ah putain, le relou, non, mon ami. Alors le premier lépreux éclate de rire, attention la chute, et donne un coup de coude à son copain. Je t'avais bien dit que c'était un pingouin que t'avais niqué. Ah, MDR. Eh oui. Pff, oh là là, la lourdeur. Oh là là, ça vole pas haut du tout, là, putain. On va regarder juste la blague que nous lui aura envoyée sur 4 pages. Alors déjà, ça commence mal. Petite fille qui promène un chiot mignon. Déjà, j'ai peur. Ouais, comme tout. Non, pas des chiots. Mignon comme tout, une vraie. Pas des petites filles surtout. Connaissant très truc Curtis, ça me fait peur, moi.
Ouais, voilà, c'est alors qu'un curé là-bas. Oh putain, il y a un curé maintenant. Il... Oh non. Comme tu es jolie, ma petite, comment tu t'appelles? Carole répond l'enfant. Carole, c'est que ça me curé qui est jolie. Comment se fait-il que tes parents t'appelaient comme ça? Corolle. Ah, Corolle, pardon. Corolle, ouais. Oui, Corolle. Eh bien, répond la petite fille, quand maman m'attendait, elle est passée devant un bel arbre tout en fleurs, et une corolle s'est détachée, elle flottait jusqu'à ses pieds. Ok, quelle charmante histoire. Après. Comment s'appelle ton chien? Il s'appelle Cochonnet, répond l'enfant. Cochonnet, c'est quelqu'un qui est non charmant. Pourquoi as-tu appelé comme ça? Parce qu'il encule les cochons. Mais. Non mais. Mais c'est même pas une blague! C'est nul! C'est histoire de dire un truc sexuel bidon, c'est des mecs qui. Écoute, je propose. Enfin, on va regarder les autres réponses, mais. Ça finit par recule les cochons, c'est marrant. Ouais. Oh là là, regarde la réponse humoriste, ironique. Oh. Devenir pété. Oh. Mais oui. Réponse sincère, c'est quoi? Merci pour la blague, frangin. Ouais, bro. Et non, mais pas la ironique. Non. C'est trop méchant. C'est Fantasmagoria 2, alors humoristique. Moi, je dis, on lance la blague. Allez, ça va le faire rire. Et Jocelyne, donc salut toi, bonne méchant. Salut toi, je voulais dire que je vois. Ah donc c'est bien Jocelyne notre meuf, alors j'avais pas fait gaffe mais. C'est ça. Salut toi, je voulais dire que je conseille tout, je une très bonne matinée, je t'aime. Alors ironique. Tu peux lui répondre une blague aussi au je t'aime. Alors ironique, c'est tu parles d'une bonne matinée, ce boulot c'est vraiment derrière, pas étonnement que ça me fasse chier, voilà, la vulgarité de l'homme. Le mec il s'en bat les steaks du petit message alors, tout mignon, c'est. En voyant ton mot dans ma boîte très cher, je me sens poussé d'aller, je m'envole vers ton box. Ça c'est humoristique donc. Ouais, c'est mignon aussi. Réponse sincère, je t'encule, vas-y. Si j'ose. Moi aussi, je te souhaite une bonne matinée. Cordialement, veuillez agréer. C'est sec, hein, ouais. Alors, ouais, humoristique. Ouais, humoristique. Allez, de toute façon, on va sûrement finir éventré. Ça fait vraiment gros con, hein, les autres. Quoi. Qu'est-ce qu'il a répondu, très. Tu es encore plus dingue que je pensais, Curtis. C'est pour ça que tu me plais. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouh. Bon, on a petite fait. Histoire entre Curtis et Trevor, peut-être. Le truc des mails, c'est quand même marrant que ça soit en temps réel. Enfin, pas en temps réel, mais tu vois, tu réponds, tu lances des poufs, ouais. Ça fait rigoler. Qu'on ait des réponses au fur et à mesure. Alors, ça, je pense que je vais éteindre si je fais là. Ouais, espèce de petit truc, ça va être pour éteindre ça. Hein. Ces mails sont épiques quand même, ouais, carrément, ouais. Bon, bah. Ouais, voilà, je peux pas faire. Du coup, faut trouver le mot de passe pour les archives, c'est ça? Bah, ouais. Et on trouve où ce mot de passe? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. On va peut-être chercher une soluce aussi à un moment parce que. Ou alors faut chercher les mots de passe des autres. Peut-être qu'en se connectant sur leur compte, on peut trouver des infos. Trouve, comment tu veux je trouve ça, quoi? Je sais pas. Attends, c'est quoi, c'est quoi la porte là? J'y suis allé ou pas? C'est pas la sortie ça? Ah, mais attends. Non, la sortie c'était tout au fond. J'avais pas été là. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Ah, il y a une porte qu'on avait pas vue? Ouais. C'est des cheveux, c'est quoi? Ah, oh! Oh! Qu'est-ce que j'ai? C'est salle de sécurité, je dirais, je vois les écrans au fond là. Peut-être, ouais. Mais non, parce c'est que spécial, c'est un hein, bureau, ouais. Bureau, hein. Bonsoir Niki! Coucou Niki! Alors. Ok, je peux pas. Ah, il y a un ordinateur. Ouais, j'ai fait. Ouais. Ça, c'est quoi ce photo là? C'est vrai que la boîte est bizarre. Magnifique déco, ouais, je suis d'accord. Tu dois arrêter tout de suite, je vais te tuer, espèce de salaud. Espèce de salaud. Mais c'est vraiment un taré en fait. Ah ouais, mais c'est un, c'est un vétéran du Vietnam et ils l'ont mis là en couverture, tu sais. C'est ça, la baffe invisible et tout. Ça, c'est Truman Show en fait, Jocelyne, c'est une fausse, c'est pour le garder au calme. Ils m'ont fait ça. Croire qu'il a une vie normale en fait. Attends, j'ouvre le tiroir, il va se passer un truc là. J'ai peur. C'est quoi, c'est la petite musique derrière? Eh bien, Curtis. Bonjour, monsieur Warner. Que puis-je faire pour vous, mon garçon? Ah, c'est le patron, merde! Oh, c'est le patron, ouais, merde, putain! J'ai pas chié dans votre bureau, promis. Je cherchais un manuel Word 8. Oh. Et c'est tout? Oui, oui, c'est tout. Et rien d'autre. Le service technique vous en envoie tout de suite. Génial. Merci. Merde, j'ai pas eu le temps de fouiller sur son PC, je crois que ça aurait fait pareil. Yeah. C'était pour nous montrer qu'on pouvait fouiller, mais peut-être pas tout de suite du coup. Peut-être, ouais. Bon, alors ça, c'est le bureau du patron. Ah, on peut aller un peu plus à gauche. Ah, mais il y a d'autres choses là, regarde ça. Ah, par-dessus d'exhibitionniste, ça. Alors lui, ça doit être le con qu'on aime pas, lui. Lui, c'est Bob. Ouais.
suis fait, il va dire, oh, je peux lui parler. Attention. Bob, ah, ouais. Si tu as fini avec le dossier vénimien, tu pourrais me le prêter pendant une heure ou deux? Sûrement pas, Ratonnet. Il ne te serait d'aucun secours. Ratonnet. Nous savons tous les deux que c'est moi qui vais obtenir la super promotion, alors va te faire foutre. Merci, je vais, Bob. Je vais aller voir Trevor, pas de soucis. Ce fut un plaisir. Putain. Mais la violence dans leurs paroles, quoi. Bah, ils s'aiment pas, hein, tu sais, les collègues de bureau, quand on s'aime pas. Hein. Tu fais ça aussi, hein. Ratounet, va te faire foutre, tout ça. Ratounet. Mais non, parce qu'il y a un rat et tout. Il y a une photo de rat, mais en même temps, je le vannerais pareil. Ouh, c'est attention. Tu parles pas aux gens comme ça, c'est même si tu les aimes pas. Bon, alors, on attaque la Jocelyne, alors. Non, c'est l'autre, ça, non? La Thérèse, pardon. La Thérèse. Thérèse, bien. Attention. Je peux te poser une question? J'ai peur. Pourquoi il s'accroupit? Qu'est-ce qu'il branle? Non, il s'assied, non? Crois-tu qu'il existe des choses dans le monde? Des choses situées au-delà de nos perceptions? Tout à fait. Hein. Parlons-en à Thérèse. Pourquoi? On ne sait pas, mais... Oui. Moi, je dis Thérèse à un moment. Je crois que nous sommes entourés de choses que nous ne voyons pas. Il va se passer des choses avec Thérèse. Moi, je dis avec Trevor. Jusqu'à ce qu'on se mette. J'espère que c'est pas trop crade quand même, parce que du coup, je peux me faire ban, quoi. Ah, il est dans la liste des jeux de Twitch, techniquement, j'ai le droit d'y jouer. De toute façon, s'il y a vraiment un truc trop... voilà. Tu sais, tu t'enlèves vite le jeu. Ouais, bah, il y a vite le jeu, c'est pas facile. Et c'est tout, donc, je peux lui reparler, je vais réessayer, voilà. Parce que des fois, il dit pas les mêmes trucs. C'est une conversation très intéressante. Peux-tu remettre le dossier Sagawa dans le fichier informatique principal? Je vais en avoir besoin. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? What? Salut, Mickey. Bonjour. Ne t'en fais pas, Curtis. Je viens de finir de le vérifier. Oh, mais il y avait rien de drôle. C'est écrit. Non, parce que c'est genre... Non, je rigole, je te demande rien. Sous-entendu, elle essaye de le pécho et tout. Et il a eu peur, tu vois, qu'il demande un truc. C'est elle qui a dû envoyer l'email fantasme. C'est obligé. Ah, mais c'était pas un mail que moi j'envoyais? Non, c'était à Curtis. De fantasmes, tu vois. Ah ouais, bon alors maintenant le dossier a été donc mis à disposition par Mistinguette. Hein. Oh, sérieux. Ah bah si, bah, j'arrive, je garde le camion, j'arrive. Pour... J'encule un cochon et puis... C'est Cyrielle qui a écrit les mails en fait. C'est ça. C'est ça, mais ouais. Pff. On t'a découvert. Curtis. Blob, alors c'est quand dans... Non, pas dans l'archive justement. C'est dans quoi alors du coup? C'était dans... Ça, là... Non, c'était dans la petite boîte. La petite boîte aux lettres. Ah ouais? Attends. Ouais. Parce qu'il dit, mets le truc dans le machin... Ah non, mais ça, on l'avait pas, ça. Si, non, c'est ça. Venimen Sagawa. Non, si, ça me l'a envoyé sur mon dossier à moi, sur mes documents. C'est d'accord. Ça qu'il appelle le dossier. Alors, définition de composé chimique connu sous le teinture Venimen. Ça doit être un truc venimeux, Venimen. Oui. C'est en cours d'évaluation par l'Agence fédérale des médicaments, blablabla, sera commercialisé en automne par nous-mêmes, à condition de recevoir l'agrément. D'accord, ok. C'est un anti-inflammatoire, ok, c'est une histoire qui tourne autour du Doliprane pour l'instant. Hein. Ouais. Souffrant d'arthrite, ok, ça soulage l'arthrite. On soupçonne parfois la TV de proposer. Ok, anti-histaminique. Pour les allergies, machin, antalgie. Tu me dis si tu veux que je remonte parce que je descends peut-être un peu vite. Non, c'est bon. Ok, c'est juste le dossier sur le boulot. Ah bah je clique dessus et ça s'enchaîne. Ouais, j'ai pas fait exprès. On travaille. J'ai pas fait exprès. Bah on a travaillé vite. On retravaille un peu. Mais il le refait. Mais oui, système de recherche fichier. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai rien fait moi. Bah vas-y, continue, peut-être c'est peut-être ça qu'il faut faire. Hein. Mais oui, c'est con. Bon, je vais me reprendre une tarte. Ah. La deuxième map invisible, attention pour deux. J'ai peur. C'est bizarre comme système, faut cliquer plusieurs fois, c'est... Ouais, c'est un peu spécial, ouais. Oh. Tout est terminé, j'en suis sûre, la famille va bien. C'est pas facile de se rappeler. Oh. What? J'ai eu peur. L'autre est en train de passer le balai. Des bruits comme ça. Oui, c'est bizarre. Acting sur 20. Je me prépare à la censure. Oh, Dieu. Non, j'ai même enfui
apparemment, ouais. Avec les petits brouillards, bip, 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 bip. Maman, qui t'a filmé chez toi? Quel est ce caméraman? Oh putain, cet acteur est génial. Deux, trois scènes bien hot, et bah ils seront censurés, voilà. Ah ouais, ça va être chaud. Bah oui, ah bah oui, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on sauvegarde par contre? Dans le menu, je crois, non? J'avais vu ça. Inventaire, ici là. Ah oui. Attends, ça s'est chargé, non? Non, enregistrer, on va enregistrer. Signer. Oui, je ne sais pas. Alors on va mettre save 1. Ah non, save tout court. Voilà, sauver. Pouf, voilà. Truc, il n'y a pas qu'il pleurait. Non, il riait pas, il pleurait, voilà. Ouais, non, il était censé pleurer, mais c'était très bizarre. On va juste regarder voir si j'ai pas des emails maléfiques. Oh là. Allez. Encore des trucs de fantasme. Oh, quoi? Ah, tu vois, j'ai raison, regarde. What? Je ne suis pas cinglé! Vraiment? Pourtant. Je suis pas cinglé! Je suis Robert Fett! Tu as raison, elle n'a pas toujours été violente. Mais de qui? Sa mère? Lunatique comme elle est devenue, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as rendue folle. Mais peut-être. Ouais. Quand sa mère. J'avais seulement 6 ans. Oui. D'accord. 6 ans. Un petit monstre qui a rendu sa pauvre mère folle et l'a conduite au suicide. Ok, non, c'est dans sa tête. Ok, d'accord, carrément, ouais. D'accord, ok, donc il s'est endormi ou en fait il s'est passé quoi? Je pense, oui. Ah, il y a Bob derrière. Pourquoi il dit ça lui? Pourquoi il dit monstre? Il m'a vu faire une crise ou quoi? Ok, donc en gros. Plus ratouiné, maintenant ouais. C'est monstre. D'accord. C'est, on baisse dans le meilleur. Ah, peut-être un truc avec Bob, c'est pas. Ah oh. Non. Donc, voilà, il y a 6 ans, sa mère s'est suicidée, tout ça. Allez, je regarde un petit coup de blob quand même. C'est quand même trop bien. Ah, ça va mieux. J'ai regardé. Bah, je sais pas ce que je fais du coup. C'est bon l'ordi, du coup, on a tout fait. Ah, oui, je peux plus, ouais. Non, mais on peut partir, hein. Peut-être que notre journée de boulot est finie. Non, ouais, je sais pas, je vais raccrocher le téléphone. Mais... bah, attends, on va sortir. On va se mettre là. Je commence de moins en moins à comprendre. Ouais, ouais non, oui, c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bah je sais pas, on sort alors? On peut essayer, hein? C'est par où qu'on sort? Je ne sais plus. Peut-être qu'on peut aller fumer un gros winch à l'arbre derrière, hein? Mais j'arrive pas à aller à la porte de la sortie, c'est celle-là qui est derrière lui, là? Ouais, je crois, ouais. Ah, y a plus tu de son. Tu veux sortir? Attends, y a plus de son. Oula. Ça bouge plus? Ouais. Attends, je vais reparler. Non, je peux pas. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'était juste le temps que la musique se relance en boucle, en fait. Ah ouais. Bizarre. C'est bizarre. Ah non, on va pas parler à lui, on l'aime pas. Bon, c'est un petit bug, ça va, super. Et du coup, on peut pas partir du boulot. Bah non, regarde, hein, je peux pas. Hein. Non. C'est là, hein. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Là, c'est le patron. On va aller voir le patron. Je peux partir, patron? Eh bien, moi, ah, tu l'as bien torché. Et mieux je me porte. Ah, bah non, il veut pas. Ah. Bon, bah, et en fait, c'est génial parce qu'il dit je veux pas le voir, il le dit bien devant sa porte, tu vois. Ah bah il se prononce sa voix, mais ça m'arrive aussi. Moi. Bon, on va voir ce qu'il fait. Mais tu le dis pas à 2 mètres de la personne, tu vois. Ah, on va voir Trevor ce qu'il raconte. Alors tu dis pas, Mickey, à moins qu'on soit vraiment bloqué, on te demandera, mais. Oh, Trevor, ce col roulé. Voilà. Trevor, quoi? C'est Curtis, qu'est-ce qui se passe? Je. Oula. C'est les attouchements. Ça te tombe pas, mon ange. Bon Dieu, je vois des choses. Mais Curtis. Écoute, ça va aller. Écoute, je... Allons prendre l'air une petite heure. Je vais envoyer le courrier à Tom, ça ne le dérangera pas, ok? Très bien. Ouais, ouais, on fait ça. Wesh, petite date avec mon pote gay, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, du coup, on est sorti du boulot, oui! Allez. Oh putain, bah là, c'est grève du budget, image fixe, quoi. Oh, l'ambiance. Mais là, c'est... Ah non, si, c'est pas une image fixe. C'est qu'ils sont très très immobiles. Ah, en fait, ils étaient embêtés ici. Non, mais en fait, c'est qu'ils sont dit il faut faire une boucle, vous restez bien fixe. Ouais. Vous faites un mouvement, vous essayez de revenir à peu près à la même position et on se démerdera. C'est génial. Alors, on va parler à Trevor. Hein. Très bien, mon pote. J'ai enfin réussi à te piéger. Ah, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Piéger? Oh, je ne sais pas. J'ai vu quelque chose, c'est tout.
C'était sûrement le fruit de mon imagination. Non, c'est pas sûr. Attends, il y avait une voix. Et du coup, quoi? Il s'arrête là. Il y avait une voix. Il y avait une voix. Faut que je reclique en fait. Salut Miu. Coucou Miu. Curtis, pour l'amour de Dieu, je suis ton meilleur ami. Tu sais que tu peux tout me raconter, non? Ah, c'est notre meilleur ami, je savais pas. Allez. Tu te rappelles quand je t'ai dit que ma mère était devenue folle alliée et qu'elle m'avait abandonné avec mon père? Oui. C'était faux. Hein? Je veux dire, je croyais que c'était vrai. Attention. Quoi? Jusqu'à il y a quelques jours. Je me rappelle qu'elle s'est pendue à un ventilateur. Oh mon Dieu! C'est possible ça? Un ventilateur de plafond, parce que un petit ventilateur, c'est ridicule. T'es assis là? Bon, on va continuer à lui parler, vu qu'on apprend le scénario, c'est bien. On a déjà une heure de jeu, mais on savait pas tout ça, donc c'est dommage. Curtis, ouais. Ne prends pas ça mal, surtout, d'accord? Mais. As-tu songé à avoir un spécialiste pour en parler? Je veux dire, toutes ces choses à propos de ta mère, c'est plutôt difficile à porter en soi, tout seul. Oui, j'y ai songé un peu, Trevor, mais... Je préférerais mourir. Je préférerais mourir que de retourner là-bas. Ah, bah, finis tes phrases, quoi, Curtis, parce que... Juste aller rendre visite à... Je préférerais mourir. C'est tout. Oui, ok, je vais y réfléchir. Tu es le seul à qui j'ai parlé de ça jusqu'à présent. Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? On dirait tellement, ça me fait le trip Truman Show, quoi, en fait. Ouais, ça m'a bien pensé à ça, ouais. Mon propre thérapeute m'a rendu si proche de la perfection que je ne révèle jamais les secrets, je ne mens jamais... Putain, mais Trevor, et mais... je n'ai même plus besoin de chier, je sors simplement des pétales de rose de mon ombre. Il est marrant. Écoute, j'ai une tonne de choses à faire au boulot. Plutôt qu'attendre de ne plus avoir d'énergie, je vais y aller maintenant. Oui, eh bien moi aussi, maintenant que oh j'y non, pense, alors... Bon boulot. Que dirais-tu? On n'a même rien fait. De changer de crèmerie tout de suite. Allons-y, Miss Kitty. Ouais. What? Mais attends, on a rien fait. On n'a rien fait. Ah bah c'est des bons clients, ils s'assoient, ils papotent, ils se cassent. C'est les mecs qui ont cru que c'était leur salon, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Et ils ont rien bouffé, ces cons-là. Ils sont partis sur le pays. Et on retourne direct au taf, quoi. Bon, bah on est de retour au boulot. Qu'est-ce? La musique est inquiétante tout d'un coup. Alors, on retourne dans le bureau, hein, écoute, je sais pas. Ouais, bah, de toute façon, on peut aller que là, hein, tout le reste, c'est pas... Bah, y'a la pièce chelou où on peut pas ouvrir la trappe, là. Ouais. Ouais, il nous faudra un truc pour l'ouvrir. Ça allait parler au serveur, ah bon? Bah, de toute façon, bah j'ai pas pu, hein. Ouais. Ah, parce qu'on pouvait... Ah oui, bah écoute, tant pis. Hein. Ouais, c'est pas très grave. Ah non, mais c'est pas lui que je vois. Est-ce que je peux reparler à lui? Non, de toute façon, je peux pas. Je peux pas lui reparler, non? Ah, je peux peut-être aller sur mon PC, attends. Bah du coup, faut retourner envoyer des mails, ouais. On va réécrire des blagues. Attends. Ah, ça a pas l'air très... très fluide, hein. Bah c'est pas ça, mais faut deviner, il faut faire 4 clics pour aller... Ah, ça y est, on peut rallumer le PC, on y va. Dididim. Regardez vite fait s'il y a des nouveaux trucs dans les dossiers. Ah oui, non, ça j'ai toujours pas. Mot de passe, on n'est pas. Alors, oh là! Oh putain! Attends, ah non, mais. Eu, ah non, non, c'est en bas, il y a les vieux. Mais il y a eu Bourde. Salut toi. Alors, ça a été arrêté à salut toi, je crois. Ouais. Ah oui, c'est sa réponse que je lui avais dit. Je vole à ta truc. À condition de ne pas te percher sur ma tête et de lâcher une fiante. Tu sais, je lui avais dit, je vais m'envoler de mon box pour aller vers le tien et tout. Il a lui répond ça, Jocelyne. Mais elle est con ou quoi? Super. Eh, mais je suis pas sur la tête. Hein. Quelle horreur. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit après? Dur, dur. Dur, dur. Vraiment, je sais que tu passes une journée difficile, mais t'inquiète pas, tout va s'arranger. Je te ferai soir. Oh mon Dieu. C'est mignon. Ouais. Alors, un massage, je crois que j'ai le béguin. Pourtant, pas le béguin, tu as du bégon. Oh, ouh, t'es du père. Ah, il y a double son, merci Miu de me suivre. Ouh, c'est super, on a demandé la blague, c'était pas... Ah, tu l'entends, toi? Oui. Ah bah oui, du coup. Bon bah, tant pis. Non, on va pas lui envoyer ça, c'est débile. Ouais, réponse non, sincère, peu... j'ai du mal à attendre jusqu'à ce soir, d'accord, c'est très classe. Ouais. Réponse ironique. Ouais. Je sais pas si c'est très... Ça, c'est le mec chiant, tu vois. Ouais. Alors, le choix de ce soir... Euh...
Voilà. Ça, c'était bon, ouais, je sais pas. Là, il n'y en a aucune qui est vraiment bien en plus des deux. Bon, bon, c'est Bucky, voilà. Réponse sincère. Allez. Allez, ouais. Alors après, Bob. On fait notre lover. Ah, j'ai fait une. j'ai du sale Curtis. Salut Curtis, ce petit mot pour te dire que tu t'es trompé de répertoire en rangeant le dossier Tool. J'avais un dollar à respecter, je n'arrivais pas à le trouver. Finalement déniché dans le répertoire nouveau produit, alors qu'il aurait dû être trouvé dans celui des nouveaux clients, évidemment. Mais ce n'est pas très grave, rien d'irréparable. Attends, je peux plus descendre le truc. Ah, c'est putain, faut que je descende à la main. Rien d'irréparable pour cette fois. Réveille-toi quand même et fais un peu plus gaffe. Bon, ça va, Bob, il est pas. Bon, je peux pas lui répondre par contre. Okay. Ouais. Curtis. Je m'envoie. Insulté de tous les noms. Ah, je vois. Tous les salariés. Hein? Regarde le mail que j'ai envoyé à tous les salariés de moi. Ah je ouais. Je souhaitais simplement faire savoir que je suis un assassin. J'ai tué ma mère. Ah, c'est cool ça. C'est creepy, je veux dire. C'est horrible. Ouais, mais ouais, j'étais obligé à se tuer. Elle s'est pendue parce que je suis un phénomène de force, parce que je suis un monstre. Vous auriez dû la voir. Avec ses yeux exorbités comme des cerises pourries, sa langue toute noire, bleue et gonflée, la pisse qui lui coulait le long de la jambe sur le tapis. Tu te souviens, Curtis? Forcément, tu te souviens, espèce de monstre. Alors, je vais répondre de façon humoristique. Et on a envoyé ce mail à tout le monde. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que, tu vois, c'est mes yeux qui me trompent? Je ne sais pas. Ah, c'est chaud. L'ensemble du personnel, en raison des pressions exercées par diverses associations, des animaux de face à face, c'était sur notre premier prochain, malheureusement, c'est dur. Peau d'adieu pour le docteur Fritz Harman, alias Résolution des pseudos. Bon, apparemment, personne ne me répond à mon mail, c'est bizarre ceci dit. Il est plus sympa, ouais, il a l'air un peu plus poussé, on va dire. Ouais. Contribution aux. Nous sommes fiers de vous annoncer que le Raymond WinTech fera un don à la Fondation internationale Sauvons les limaces de la gomme. D'accord. Ouais. Des bénéfices okay. Nets réalisés sur le médicament et ceci. Restez open. Ah putain, c'est chiant, faut que je descende comme ça. Bon, on fait une soirée caritative, quoi. Bref, okay. Nom d'oiseau, Trevor. De ça Curtis, de oh Curtis là. À Trevor. C'est moi qui lui envoie. C'est... Non, à Curtis de Trevor. Ouais, c'est lui, ouais. C'est l'histoire d'un type qui rentre dans une animalerie, dans un perroquet avant, vraiment pas chien. Je crois que je la connaissais. Il met dans une cage, fait son ménage parce que sa mère doit passer ce soir. Il est en train d'épousseter une étagère jusqu'à. Comme il est joli, l'oiseau, le perroquet répond : on va te faire voir emplumé. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu m'as très bien entendu, connard. Et le perroquet se met à l'appeler par tous les noms d'oiseaux. Et il y connaît en rayon, bien sûr. Ah oui. Il se met en rogne et flanque le perroté dans un placard. Laisse-moi sortir, pouf. Alors le gars se met vraiment en rogne et flanque le perroquet dans le congélateur. Il entend la bestiole qui cogne contre les parois et jure comme un charretier. Et puis tout à coup, c'est le silence complet. Le type réfléchit, dit oh non, je voulais pas le tuer. Et il ouvre le congélateur. Il voit le perroquet perché sur un paquet de petits pois congelés, les ailes repliées. Tout penaud, le type tend un doigt. Le perroquet se perche timidement dessus. L'air piteux, le perroquet regarde le type en face de lui. Pardon d'avoir été si grossier avec vous tout à l'heure, monsieur. Je vous promets que ça se reproduira pas. Est-ce que je peux vous poser une question? Le gars, complètement emballé, répond bien sûr. Qu'est-ce qu'il avait fait, le poulet? Ah, qui est congelé. Mais c'est. Il est déjà plus sympa que les. Mais non, mais le truc, c'est des vannes. Il met 15 ans à préparer sa vanne et là, ouais. C'est nul, quoi. C'est trop long, mais bon. Oh là là. Pour le moment, c'est la meilleure. Alors, quelle vanne je vais lui répondre? J'ai enculé un cochon. C'est vrai. Alors, moi, il y a mon histoire à moi et on va faire que lire des blagues. C'est alors, ça. Ma réponse, c'est l'histoire d'une bad femme, mon mari est un connard fini, c'est un type grincheux que j'avais content, il fait des reproches, blablabla. Elle reste avec lui, elle amour, ce jour-là, c'est bien, c'est bien. Se découvrir, genre, disons que je suis acheté un ça va. C'est un oiseau cri crac. Hein? C'est quoi? Attends, putain. C'est quoi un oiseau cri crac? Alors il ouvre la porte de la cage, il va fouiller dans le comptoir, il sort un oreiller. Oiseau crie, craque l'oreiller. Quoi? D'accord. Je ne comprends rien à cette blague pour l'instant. Ouais, ça a l'air bizarre, ouais. Attends, putain, puis j'arrive pas à bien descendre le truc qui remonte. Elle lui achète, oiseau crie, craque, elle achète, bon anniversaire. T'as pas de voir ce que je t'apporte, mais habillé d'un caleçon trop grand et d'un maillon de corps plein de taches, voilà le cliché. Tu parles, je parie que c'est une connerie. Mais non, c'est pas une connerie, c'est un oiseau cri crac, tu vois, il ouvre la porte pour son mari, puis sort après. Oiseau cri crac, mon cul. Ah, d'accord. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mais mal. Encore une fois, elle est un peu débile. Ils disent oiseau cri crac, ouais. Je sais. Oh là là, juste voir les autres réponses. Ouais, ok, d'accord. C'est d'un goût, retourne à ton codage et laisse les blagues aux comiques professionnels. Effectivement, Trevor, je crois que oui.
La réponse sincère, t'es vraiment un tordu trêve. Trêve de plaisanterie, ça ce serait drôle, ça ce serait une bonne blague. Oh là 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 là. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce qu'on met, la blague ou quoi? Donc, on allez, la blague. Ah, la blague, la blague. Blague. Et bonne blague. Allez, il sera content. Alors, après, Jonas, votre carrière. Salut, fils. Comment ça, fils? C'est qui, Jonas Craig? C'est mon père? Ah bah oui, sûrement. Pourquoi il y a marqué votre carrière, du coup? Ok. C'est vrai que mon père, lui, il est pas, oui, il est pas mort, toi. Tu vois, un homme accompli, tu as mieux réussi que dans mes espoirs. Allez, plus fou, je te pense que tu mourras dans le ventre de ta mère. Ah, d'accord. Sympa. Nous épargnons ainsi de grandes souffrances. Oui, très bien, je crois que c'est pas un vrai mail. C'est dans ma tête, ça. Hein. Je pense qu'il est temps que tu prennes le rêve. Pologne? Hein? Une école? En Pologne? En Pologne? Vaporeux, puis des bagages. Quoi? Le type avec le collier Dieu est dedans, ce sera moi, papa. Quoi? Ah ouais, non, alors là, je comprends plus rien. J'ai du mal. En plus, c'est mélangé au milieu des mails normales, genre t'as fait le dossier machin, ou tu veux une bonne blague, et puis ça, oui, tu es Satan. Nielsen okay. De la direction commerciale. Chiffre d'affaires du mois. Bonne nouvelle, chiffre d'affaires. Valentin Flazer, Furo, atteint un record, blablabla. Dégonflox, n'importe quoi. Depuis de l'antigratol. C'est non, quoi. Antigratol. Antigratouille. Attends. Bon, j'arrive pas. Travail tout le monde, en gros on a vendu de la merde, ok. Alors, travaux de rénovation. Comme vous le savez, l'adolescente se porte bien, d'accord. Il paraît qu'il y a besoin d'un petit lifting, les entraves seront condamnés pendant les 3 premières semaines. Ok. Putain, on a un mail de l'enfer, je viens de voir. Où ça? Celui l'enfer, ah merde, oui, opportunité de carrière. Ouais, mais c'est vachement intéressant, puis ce qui est bien, c'est que c'est pas... de t'appeler chez toi. Non, j'avais pas essayé le téléphone de m'appeler moi-même. C'est vrai que ça peut être intéressant étant donné qu'il est fou. Pour le coup, j'avais trouvé ça nul. Ah, peut-être, de... ouais. À Curtis Craig de l'enfer. Opportunité de carrière. Monsieur, nous suivons votre carrière depuis un certain temps. Je suis rédacteur technique, ok. C'était votre talent naturel par ailleurs. Infini réside dans le domaine du meurtre. Nous pensons qu'avec peu de pratique, vous pouvez devenir le prochain Landru. Et qui sait, un Hitler ou un Staline, un petit point Godwin, ça fait du bien. Ouais. C'est vrai, votre curriculum vitae ainsi qu'un corps démembré et un litre de sang de bouc. Asmodée, Asraël, Bélial, Escratch et compagnie. C'est une blague, ça. Mais non, mais c'est dans sa tête, tu vois, c'est assez génial. Ça se trouve, il se les envoie lui-même. Aileen, W à la DRH, à l'ensemble du personnel. Notre entreprise fêtera son 30e anniversaire à cette occasion. Il y aura un pique-nique. Jamais servi des expériences sur des armes biologiques, n'importe quoi. Et des fois, ça marche pas bien, ça merde. Ça, je vois que ça remonte tout seul. Ça bâtiment. Virus, machin, ouais, suspicion de triton mutant dans le système. Oh, ok, d'accord. Alors, Jocelyne, elle a répondu quoi? Oh, tu me fais mal. Elle a répondu pas autant que moi. Je lui avais répondu quoi, Jocelyne, déjà? Attends, c'était dur en saut. Ouais. On lui avait répondu un truc mignon, non? Je sais plus. Et moi, j'ai. Attends, c'est où c'est la vraie? Non, je la vois pas mal. Ah non, je crois qu'on avait dit j'ai hâte ou un truc comme ça. Ah, j'ai du mal à attendre, ok, voilà. Ouais. Pas autant que moi, d'accord. Et mon oiseau, tu crois qu'on pourrait en trouver un oiseau cri-crac? Cri-crac, le cul de Warner, ce serait génial. Lol, Trevor, MDR. Ouais, Trevor a compris la blague, oui. Bah oui, quand même. Trevor, c'est un pro de la blague. On va essayer de s'appeler, comme disait Mickey. Attention, Mickey, tu donnes des indices. Attention. Tant pis, il y aura des trucs, c'est pas grave. Alors, on va s'appeler, c'est 6125. Ça peut sonner déjà. Ouais. Bon, ça a pas marché. Je crois que je l'ai fait trop tard en fait. Il fallait le faire tout à l'heure. Je regarde mon petit blob. Coucou mon petit blob. Voilà. C'est important. Du coup, bah ouais, la musique est toujours aussi anxiogène. Non, je peux plus parler à mon pote. Est-ce qu'on peut partir? On a bien travaillé. Ouais, ouais, je trouve aussi. Non. Il toujours pas partir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Toto. Ah, mais c'est quoi là? Il clique sur un truc, c'est quoi? Ah, c'est l'eau, merde. J'ai pas reconnu. Putain. Ah oui, ouais. C'était le petit boîtier blanc, ouais, de l'eau. Ouais. Je voyais pas bien, ouais. Ouais, petit verre. Un jour, ça va être du sang et tout, tu vois. J'espère qu'il y a une poubelle, j'ai de passer à partir. Je sais pas, ouais, peut-être. Ah, y'a qui?
Musique de l'enfer. Putain. Ouais, je peux pas lui parler. Lui, je peux sûrement pas lui reparler. Je fais les. Oh, tu es toute floue. Tu es toute floute. Ah, ça y est, tu n'es plus floute. Je suis toute floue. Tu es défloutée. Non, tu es défloutée. Tu es défloutée. Des fois, ça. Ouais, bah, c'est qui fait. Ah, bah, si, je peux partir, ça y est. Il faut que je me mette à un endroit précis, c'est compliqué. C'est... Enfin, ouais, faut pas que je mette n'importe où, quoi. C'est chiant. Ben, je sais pas, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous? Ouais. Attends, j'ai. Voilà, tu peux juste regarder. C'est l'arbre des rêves. Oh, alors on se casse, hein, c'est l'heure de se casser. Allez! Il y a un petit chat. Ah, ouais, oh, le petit chat. Ah oui, vous voyez le petit chat. Ouais, on voit son cul, on a vu sa queue en l'air. Ah, mais c'est ça l'arbre des rêves! Ah, d'accord, la déception! C'est juste un espèce de petit bar. Ouais, je regarde, c'est trop mon pote le serveur, t'as vu, c'est mon bro. Oh là là, le tap dans la main, le high five de dos sans regarder quoi. Ouais. La frime. Allez, tiens, on va se servir. Curtis, mon pote. Dis donc, tu ne devrais pas être au travail comme les autres esclaves du capitalisme? Si, j'étais tellement stressé que j'ai dû sortir prendre l'air. Crois-moi, je compatis. T'es vachement stressé. Ah, tranquille, le boulot, tu peux sortir comme tu veux. C'est un cheeseburger dans le cul du prochain client qui va franchir cette porte. Oh, tu fais un si charmant rayon de soleil, Max. Putain, c'est très, très crypto-gay tout ça. Hein. Oh là là. Quel petit rayon de soleil. Non, tu as un vrai petit rayon de soleil, quoi. C'est vulgaire. Mais ah, bah non. Ah, si, Adrien, ouais, prendre la carte. Qu'est-ce qu'on va. Alors, qu'est-ce que tu. Allez, c'est pour moi, tu me dis, je commande. Ah, il y a du thé. Tu veux du thé? Ah non, un milkshake. Alors, je sais pas si je peux vraiment choisir en vrai. Non, je n'ai pas tellement. Remède garanti contre les teints les plus pâles et les plus langoureux. Bon, il a du nom. Il a dit non. T'as vu ouais, contre les teints les plus pâles et les plus langoureux, il a le thé, un délice. Glace au thé, tout l'entier dans des sanctuaires pour les grands gourmands, soucieux de conserver leur ligne. Je peux prendre la bière, demander au serveur, ok. Mais c'est vraiment un. Oula. What? C'est son père ou c'est lui? Non, j'ai pas bien vu, c'est lui? Non, c'est qui? Lui, non. Avec une bouteille d'alcool en train de. Apparemment, il y a du souci avec l'alcool. Je recommence. Qu'est-ce qui se passe? Rouge, blanc, et cette chose étrange qu'on appelle le rosé. Non, bah là, je peux plus rien commander. Bon, ok, d'accord. Bah, on va juste regarder la carte et rien à manger, rien à boire, tant pis. Bah, on va se casser, hein, écoute. Est-ce qu'on se fait une petite main au cul au serveur? Non, mais pas. Ah, bravo. Mais du coup, on est censé retourner au boulot, ce qu'il disait, tu devrais pas être au boulot. Bah oui, j'y vais, mais. Effectivement, oui, ça paraît sensé. Mais du coup, on doit faire quoi? Razer, je sais pas du tout. Pourquoi Razer? Se rappeler qu'il tient pas l'alcool, oui, ou qu'il y a un problème, ouais. Ouais, peut-être ça, ouais. Il se rappelle une méchante cuite. Ouais, c'est que là, je. On peut. Putain. Peut-être reparler à. Thérèse ou. Il faut que j'arrive à le retrouver, c'est un peu le souci. Ouais. Alors là, il y a qui? Alors là, Thérèse, elle est au fond. Ça a pas l'air très très maniable, ouais. Non, comme je peux pas reparler à Thérèse. C'est pas que c'est pas maniable, mais c'est que c'est dans ces jeux-là, on va dire. Ouais, on pourrait être une clique comme ça en FMV, tu te repères. Ah, je peux reparler, avoir parlé à Bob. Ah, qui m'a envoyé un mail pour dire je fais de la merde. Ah ouais. Il va se barrer sans lui parler. Ça, c'est. Allez, drôle pour le coup. Ça, c'est marrant. J'avoue, c'est sympa, ouais. On a tous un Bob dans l'entreprise, hein, bien sûr. Ah bah oui, évidemment. On est tous le Bob d'un autre aussi. Peut-être aussi, ouais. Bon, je trouve plus ma femme, elle est où, là? Si elle est là, de toute façon, je peux rien lui faire. Ma femme cachée. Ah oui. T'entends les schlick-schlack dans tout le bureau, t'es les bruits de langue et tout. Non, c'est trop discret. Bon bah du coup Trevor quoi, t'as pas une bonne blague, vas-y. Ouais, bah non, je peux rien faire. Bah sur le PC alors, mais j'ai tout fait sur le PC. Peut-être. Et Tom les... Non Tom, on pouvait pas lui en parler. Non, on pouvait pas non plus. Est-ce qu'il faut que je téléphone? Je sais pas. Et vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il y a un petit truc cochon. C'était bizarre quand même. Ah mais c'était complètement, oui, c'était complètement fait exprès. Alors, bon Blob. Hein, toi tu aurais toujours là, il n'y a pas de démoniaque. PC, je peux le PC. Qu'est-ce que je peux faire avec ce PC? Mmh.
le bruit de clavier que ça fait, ça fait. Ça faisait si fort que ça. Rien. Ah, et puis j'ai pas les mots de passe, je peux pas faire grand chose en vrai. Non, là j'ai pas de nouveau mail. Et bah je sais. Alors, à moins que le mot de passe était caché dans un des mails qu'on a reçu, mais alors là, compliqué. Hein. Ouais, non, c'est chaud. Ouais. Très belle chanson, les gars. Ouais. Chacun son bob, chacun son entreprise. La chanson, chacun son bob, chacun son chemin. Est-ce que je peux peut-être travailler sur un des dossiers encore? Mais là j'ai... Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Pitre, c'est quoi? Ruk, poilu. Quoi? Je peux figer... Pourquoi je peux figer des lettres? Pour entrer un code? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire Curtis peut-être? Ah peut-être, ouais. Ah pas bête, pas bête. Si je vois un C... Hop. Merde, non, j'ai raté. Je sais pas si c'est ça, mais on va essayer. Voilà, là c'est un truc démoniaque quand même, on est d'accord. Ça fait c'est bizarre. Ça, ouais. Ça fait pas ça les ordinateurs. Des dossiers, ouais, normalement. Va te faire voir. What? Pourquoi? Le PC qui dit va te faire voir. Pardon? Mais je dois faire quoi là, enfin? Mais j'en sais rien, moi. Putain, mais c'est compliqué. Ouais, non, c'est chaud là, ouais. Non, c'est pas oh vu. Non, mais arrête de traîner dans mes pieds. Ah mais il y a un truc qui s'écrit derrière mort qui marche, il y a un truc qui s'écrit là, ouais. J'ai pas fait gaffe. En fait rien. Ah mais ouais, c'est que ça le masque. À la place de derrière, tu vois, il y a marqué Gawa, là on voit la fin du mot qui est écrit. Ouais. Des fois ça change. Ça, en quelques secondes. Et même là où j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui changent là dans les dossiers. Bah je sais pas quoi mettre moi. Putain, je regarde. Regarde, tu vois, il y a écrit vous mourrez tous ou un truc comme ça. Ouais. On va écrire maman peut-être pour sa mère. Il y a le dossier, on dirait qu'il s'ouvre, c'est bizarre. Ouais, il y a des petits mouvements que tu perçois plus que du coin de l'œil. C'est futé parce que t'es concentré sur les lettres. Ouais. Et puis tu te dis, mais quoi? Non, maman, ça va pas aller. Je sais pas quoi mettre. Non, c'est Trevor. Trevor? Non, c'est trop court. Non, si, T-R-E-V-O-R, Trevor, ça passe, mais. Je ne sais pas. Ça n'a pas trop de sens. Putain, c'est des enchaînements de trucs, c'est bizarre quand même. Ouais. Je suis. Ah, c'était marqué quoi? Merci. Ah ouais, c'est vraiment rapide. Hein, j'ai pas vu non plus du coin d'œil, mais. Bon, est-ce qu'on invoque une aide dans le chat? Est-ce qu'on appelle un ami? Un petit indice. Petit indice, Mickey, s'il te plaît, si tu te souviens. Qui pourrait nous aiguiller? Monstre! Bah, c'est peut-être monstre? Ah bah, monstre, ouais. Ah bah, attends, ah non, M-O-N-S-T-R. Non, il manque. J'ai pas la place. Non? Ah mince. M-O-N-S-T-R. Non, il y a un autre truc qui s'est affiché, j'ai pas le temps de. Mais oui, ça va trop vite. Blob. Blob, mais il va manquer de la place. Blob, il est partout, quoi. Blob, c'est le héros de ce jeu, en fait. En fait, on est dans le cerveau de Blob. C'est ça. Des besoins, on comprend rien, en fait. Il comprend rien ce qui se passe. Serre-toi de tes dents, il y avait écrit. Ah ouais? Ah ouais? Serre-toi de tes dents. Éventrola. Oh, c'était marqué Éventrola. Ah oui, mais oui, ça c'est collé, j'ai vu écrit là. En... C'est assez cool quand même, ça. Le petit truc qui a pas. Il faut pas dire la réponse tout de suite, c'est pas encore. Quoi. C'est ça, pas ça, tout de suite ça, du coup. C'est normal que je le sache pas, quoi. Bon. Ça change rien, pas de nouveau. Je sais pas, moi. Mais du coup, est-ce que t'aurais un indice sur où on doit aller? Ouais, déjà, ouais, parce que je t'avoue que... Parce que là, on est en plein flottement, là. Si, mais je laisse chercher. Ah si, c'est maintenant qu'il faut mettre le mot, c'est ça? Non, mais là, faut que tu nous aides, là. Ouais, donne-nous pas la réponse, mais au moins un petit indice, tu vois. Un indice, je te fais l'accent canadien. Ah, même là-haut, te le fait. La photo du rat. Qu'est-ce qu'il y a, la photo du rat? La photo du rat. Alors... Serre-toi de tes dents et ventre là, Kevin. Bah, y'a rien, la photo du rat, y'a écrit Blob, mais c'est d'où? C'est quoi devant la photo là? Bah, je sais pas, c'est. Ah non, c'est. Un c'est un espèce de... Non, non, mais. Bout de fromage, mais non, c'est une espèce de pendule là. Un bout de fromage. C'est une photo, il donne pas du fromage à sa photo quoi. J'ai cru que c'était un bout de fromage, moi. Je te jure. La photo du rat, mais elle fait rien, la photo du rat, je peux rien y faire. Avant que je puisse interagir avec. C'est vrai que j'ai les objets, faut que j'y pense aussi, mais.
carte dure. Hein. Non, là, je vois pas. Non. Elle ronfle fort. Et sur les photos qu'on a ramassées, il n'y a rien, non, y a pas... Tu peux pas les tourner ou... Non, je crois pas. Attends, je sors de là. L'autre nom de Blob est prononcé en français. Hein ? Hein ? Il y a un autre... Il y a pas de... Quoi ? C'est pas ratounet, c'est trop long. L'autre nom de Blob prononcé en... Il y a un autre nom, Blob ? Mais comment on est censé le savoir, ça ? Des rats ? Un rat ? Oui, ben un rat, d'accord. Hein. Ben... L'autre nom de Blob, il y a un autre nom ? Raton, c'est ça ? Raton ? Je sais pas, pour faire le compte des lettres, je vois que ça. Non, R-A-T... Ah, il dit presque. Bah oui, mais... R-A-T... Oh. Ratounet, ça rentre pas. Ben non. Blob, c'est goutte en français. Mais non. Ratelier. C'est goutte ? Non, non, mais attends, c'est les heures qui disent ça, c'est Paul. Si ? Ce goutte, je vois pas. Blob, c'est pas... Mais blob, je savais même pas que ça voulait dire quelque chose en fait. Ça veut rien dire, oui, c'est un blob, c'est blob, c'est un truc. Ah bah écoute, c'est ma meilleure définition, hein. Merde, je sais pas du tout. Pourquoi goutte, c'est idiot. Bah, ouais, essaye, hein, pourquoi pas, mais. Parce que je ouais, crois que c'est qui cherchait une solution, c'est-à-dire, ouais, Azure qui cherchait une solution, donc en fait, si ce serait ça, ça a aucun sens, hein, j'aurais jamais trouvé, moi. Ouais, moi non plus, hein. Attends, on était sur la bonne piste, oui, à vouloir mettre des trucs familiers et. Pourquoi goutte ? Goutte, ouais. C'est drop une goutte, c'est pas blob, hein. Même en anglais, hein, ça veut rien dire blob. Ah, il y a pas de U de toute façon. Attends, attends, ça tourne peut-être. Dans le cas où ils ont traduit le nom du rat, mais il y a pas de. Ça commence par rat avant. Ça commence par rat, ok. Rat. Raciste. Raton. Ah quoi, enfin. Ça commence par. Ah, c'est une rate, c'est une femelle, putain! Bah non, mais c'est pareil, il manque ouais, toujours. Mais, ouais, mais il va manquer des lettres. Bah oui. Peut-être avec un S, je sais pas. Raté, du coup, ça fait raté. Sûrement pas ratonné. Oui, je lui dis sûrement pas ratonné. On dirait la voix de Trevor, c'est bizarre. Ouais, non, pas la voix de Trevor, la voix de Bob. Non, que j'aime pas, c'est pas la voix de Trevor ça. Ah peut-être ouais. Ouais. Je vais chiffrer des lettres. Et raton. Raton. Ah, raton c'est un seul T non ? Non, c'est deux T raton ? Je sais pas du tout. Si mes deux énigmes sur l'eau, bah de toute façon est-ce que j'ai l'eau pour faire. Mais là je vois pas bien comment t'es censé trouver son mot en fait. Ouais, puis je peux pas mettre ratounet ni raton, y'a pas de O apparemment. Si le mot apparaissait derrière en. Ouais, discret, c'est pour ça que je regarde depuis tout à l'heure, c'est mais j'ai pas l'impression. Rature, non, je sais pas. Ah, faut que tu nous lises, Mickey. On invoque le père Fouras. Ouais. On a perdu la clé, tu l'as jetée à la mer, mais là, je sais pas. On voit pas bien, non. Ratounet, non. Je ne sais pas. Ratoun. Quoi ? Hein ? Mais c'est idiot! Pourquoi Ratoun? Pour ratouner, parce que en fait je pense qu'en anglais ça prend moins de dettes le pseudo qu'il lui donne, et ils se sont retrouvés coincés en VF en fait. Ah. À mon avis ils doivent l'appeler Ratsi ou Ratsu, et du coup. Ouais, en anglais ça loge, mais pas en français, ils se sont démerdés comme ils ont pu en fait. Oh là là, d'accord. Je crois que c'est ça. Hein. Pas évident, hein. J'imagine que ça, parce qu'il n'y a aucun sens que Ratoun, ça soit ça. Mais du coup, je me retrouve. En fait, il se passe rien en fait. Ça a débloqué quoi, ouais. Bah, rien. On peut aller dans les archives maintenant, non ? Attends, je reclique sur le dossier comme si je travaillais. Il faut juste rebosser du coup. Ouais, je vais faire ça. Comme tout à l'heure. Il faut. Bah, ouais, c'est le problème de CVF avec ces énigmes-là à l'époque. Ouais, c'est dommage, ouais. Ah, surtout ouais, qu'il nous donne un indice en plus parce qu'il dit. Non, c'est pas ça, Ratounet. Mais bon. Bon, là je clique, mais je crois pas que ça fasse grand chose. Bah, quand je dis ça tout à l'heure, ça marche au bout de 3 fois, peut-être qu'au bout de 4. Mais en fait, est-ce que je peux cliquer sur des paragraphes précis ? Est-ce que ça non, change quelque chose ? Je crois que ça se prend là. Bah, pourquoi je devrais cliquer dessus, tu vois ?
Non mais c'est toujours la même anime je crois donc. Ouais, mais j'ai... au cas où hein. Tout à fait, c'est une erreur de jeu. C'est pas forcément une erreur, mais c'est qu'ils se sont retrouvés coincés quoi. Patience, tout arrive, c'était marqué. Ouais. La place de Curtis. Tapis Abomination, il y a écrit. Ouais, ouais, il pète les pieds, l'ami Curtis. Je travaille, tralala, tralala, je fais pas attention. J'ai pas de nouveau mail. Bon bah on fait quoi et qu'on sort là. Mais en fait ça servait à quoi le truc qu'on a mis? Ah rien. Un Daniel Jackson de Stargate, ouais. Bon je crois pas qu'aller voir Bob ça va changer grand chose. La photo tu dis? Moi j'aime bien la photo. Ouais. Ouais on peut essayer d'aller parler une dernière fois à Bob mais bon. Il va encore nous dire d'aller nous faire voir. Bah non mais ça on a même pas parlé, on lui a fait un doigt. Ah oui. C'est magnifique toi. Ok là y a... Ouais c'est épuisant ce son. Ah non, je peux pas parler à ma waifu. Ben, je sais pas moi. Là y'a quoi là? Hop, est-ce qu'on peut pas la Thérèse? Thérèse. Non. Non, on peut pas parler à Thérèse. Est-ce que notre ami... Ah oui, je peux toujours lui faire un petit doigt d'honneur. Voilà, c'est parti pour un autre doigt d'honneur. Ah, Bob, non. J'ai retrouvé mon document. Ah. C'est une blague vraiment infantile. De quoi est-ce que tu parles, Craig? Ce n'est pas ma faute si tu ne retrouves pas tes fichiers. Ouais, c'est ça, t'as raison. Exactement, Doc. Seulement ne recommence pas ou tu le regretteras. Oh, est-ce une menace? Tu me fais vraiment peur. Et il croit que c'est lui qui a fait une blague avec le mot de passe, là. Ouais, c'est un peu obscur, même pour eux. Blablabli, caller. Eh oui, il y a un truc sur l'écran, non? Bah, c'est son truc Wayne Tech, là. Non, ou ça? Sur l'écran, je vois un visage, moi je suis folle. Mais non, c'est le logo de la boîte avec le trait en diagonale et W comme quand l'écran d'accueil de l'entreprise. Je sais pas, de loin on dirait. Parce que de près on voyait rien et de loin. Ah, moi je. Non, je reconnais le. Non, n'invente pas des jumpscares qui n'existent pas. Hein. Je suis en manque d'horreur. Bah, c'est vrai que moi aussi, pour l'instant, je suis en manque d'un truc intéressant. D'action. Voilà, de choses à faire. Mm. Je ne sais pas. Bah, on va retourner sur le PC, mais... Essaye de voir si ouais, on peut accéder au truc archive. Ou... Ah, mais sans mot de passe. Ça mais peut-être que ça a déverrouillé tout à l'heure, non? Bah, si, ratouille. Non, ça marche pas, ratouille. Ah non, toujours pas bon. La vie en entreprise, ouais, c'est passionnant. Ouais. Ouais, non, ça fait rien. On a un peu tout fait là, non? Attends, non. Qu'est-ce qu'on peut faire, Muti, de plus? Bah, on peut se barrer, mais. Là, j'ai vu tous les mails. Si j'appelle ma waifu, qu'est-ce qui se passe? C'est Jocelyn. Ici Jocelyn. Salut, mon cœur, comment vas-tu? Ici Jocelyn. Il faut pas que ça se sache. Bon, c'est le même dialogue que l'autre fois. Je t'aime. J'aime entendre ta voix. Je t'aime, mais on reste discret. Hein. Exactement. Faut pas que les gens le sachent. Je ne le mérite pas, Joss. Mais c'est long comme petite séquence. Ok, je trouvais ça un peu long pour une petite séquence random, mais ok, d'accord, si. Bon. Bah là. Je vois pas ce qu'on peut faire. Et non. De toute façon, Trevor, Bob, on peut plus leur parler de toute manière. Bah là, j'ai essayé, non? Bob et voilà, on a fait ce qu'on avait dit, quoi. Et après, on pouvait pas, Trevor. Non? Bizarre. Allez, on peut pas. En fait, quand tu t'appelais, ton téléphone sonnait avec un message de toi, c'est raté, mais c'est sympa. Bah oui, mais ça marche pas, je comprends bien, mais. Ouais. J'ai dû le faire en mauvais timing et enfin mauvais moment. C'est dommage qu'on l'ait pas eu ça. Non, je crois que sur le coup, j'ai pas. On peut pas aller voir le patron, on peut boire un petit coup. Et j'essaye toujours d'accéder à cette porte. Bah, je peux ressortir, ouais. Ouais, mais on a toujours pas de truc pour ouvrir la petite ouverture qu'on avait. Là, et puis on sait pas trop à quoi ça sert. Je saurais même pas où est-ce qu'elle est en fait. Elle était où cette porte-là? Ouais. Non, là, c'est fermé.
Non mais là, bon alors attention, on va invoquer un petit indice pour où elle est. Moi je rentre dans cette bâtisse là, dans cette pièce là, mais y'a rien à faire. Ah il nous faut un truc pour ouvrir le... Oh. Alors attends, tu vas. Oh. Qu'est-ce qu'ils font les câbles? Je sais pas. Ah mon dieu, on va mourir. Ah c'est musique. Ça va. Ah, ah ça devient sexuel là. Oui. La musique. Ah mais la musique elle pète son cœur. Ah, une petite musique disco, tu sais. C'est Robert, tu as pas fait ma vie, tu m'es posé. Et il s'en va, Et tout va bien. Voilà. Je. D'accord, c'était une séquence gratuite pour faire comprendre que oui, il est fou. Oui, on est fou. Ouais, c'est ça. Bon bah les gars, on veut bien de l'aide. Je peux retourner chez moi, mais... C'est le problème, c'est impressionnant. Non, mais il est bien fait, hein. Après, il est à un certain âge, mais c'est vrai que c'est plus intéressant, par exemple, que Hellblade, vous voyez, pour faire voir la folie, je trouve. Bon, d'accord, non, en vrai, c'est très cinéma. Peut-être pas tant que ça, mais bon. Je ne sais pas. Je pense que c'est... Je pense qu'il faut aller sur mon PC. Tu peux finir de bosser ton dossier ou aller chez toi. Mais j'arrête pas de finir de bosser le dossier. Ah, je suis en train de penser à un truc. Est-ce que tu peux faire passer tes objets dans l'inventaire à des personnages? Bah, je sais pas trop. Je peux pas trop interagir avec eux. Attends, je vois ce qu'il a dit. Pas fan, mais c'est pas grave de Creeper. C'est pas grave. C'est un rapport à un sketch, machin. Mais après, une histoire vraie, une fiche. Ouais, parce que regarde, je me mets dessus. Ah, ça oui, fait c'est toujours la même en plus. Ouais, non, puis. C'est, ah, c'est... Il va, je suis prêté. Ouais, non, c'est vraiment une fiction d'avantage, je le connais. Ben, non, là, je suis désolé, non, je comprends pas. Et je peux pas faire glisser le dossier. Non, ben non, y'a rien à faire. Hein. Bon, on va rentrer. Hein. Bah, sinon, ouais. Tant pis, hein. Attends, on va y voir Trevor si je peux lui filer un objet, tiens, tu disais. Trevor, youhou, veux-tu mon tournevis? Eh, hey, il faut que l'objet. Il faut que l'objet s'illumine. Ah, mais regarde. Ah, si, je peux lui faire voir la photo, il est dessus. Ah. Tournevis, ça marche pas par contre. T'es dessus. Non. Regarde ça. Tu te rappelles de cette splendide réception? Tu sais, c'est. Cette splendide un grand flou de rhum blanc, de pop musique. Et de bouffe dégueulasse. C'est une bonne chose d'avoir un perpétuel exemple de sobriété comme ami. Ouais, c'est bien moi. La coucou, c'est qui? Coucou, Mignoret. Tu sais, il me semble me rappeler voir Bob dégueuler son fromage sur la piste de danse. What? Parce qu'ils invitent Bob à leur soirée même s'ils l'aiment pas, quoi. Ok, c'est intéressant. C'est peut-être une soirée d'entreprise aussi. Je vais avoir la photo de mes parents aussi. Regarde, tu m'as pas parlé, ma maman. Mais Trevor, c'est le tuto, c'est l'aide en fait. J'avais oublié que j'avais ça. C'est notre cool. Aide. Ce sont tes parents. C'est pas trop cool, non? Tu sais, tu ressembles beaucoup à ta mère. Ton regard. Tu sais qu'elle s'est suicidée, tu te souviens, mon meilleur ami? D'accord, et salut Trevor, tu fais chier. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, se dit Trevor d'une façon complètement magnifiquement bien jouée. Mais. Je ne comprends pas. Non, le tournevis dans le dos de Bob, ça... Non, je pense pas. Est-ce que tu veux mon portefeuille? Non, ça n'intéresse pas. Est-ce que tu veux mon badge? Ah, on peut lui dire un truc avec le badge, apparemment. Ah. Bah, on essaye tout. Ah, j'ai cru qu'il se retournait avant qu'on arrive, en fait. Hey, Trevor. Ouais. Ton autorisation de sécurité est plus élevée que la mienne. Ah ouais, pour passer la porte. Dans les secteurs de haute sécurité. Pas bête. Pas bête, certainement pas. Non, ah merde. Je ne veux pas y aller. Bon sang, c'est probable qu'ils aient il joue trop bien la caisse. Ou quelque chose de pire. Ouais, il rigole, okay. Il rigole. Non, c'est pas bête du coup. Alors, on pourrait aller faire un petit tour avec la carte. Ouais. On peut peut-être demander à tout le monde. Est-ce que tu as la sécurité? Bonjour. Pour faire avancer le jeu vidéo. Alors, on va aller voir qui c'est qui est là. Waifu. Ah non, c'est pas Waifu du tout, ça.
Et Tom. Point and click, c'est ça, hein, t'essayes toutes les combinaisons possibles et imaginables. Est-ce que vous savez pourquoi mon niveau d'autorisation est si bas? Je ne peux pas entrer à la cafétéria avec ma carte de sécurité. Vous blaguez? Non, ce n'est pas possible. Je vais m'en occuper tout de suite, Curtis. Merci beaucoup. What? Ah, bah super. Ah bah oui, c'est vrai que c'est son travail, mais je ne sais plus qui fait quoi. Du coup, ça y est. Bon, bah nickel. Du coup, attends. Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à la cafétéria, c'est-à-dire que... On travaille dans l'entreprise depuis je sais pas combien de temps. Mais du coup ça y est, c'est bon là maintenant ou... Bah ouais. Ah, je pense pas, c'est pas le genre du jeu. Moi je sens que je vais encore galérer avant de l'avoir le pass. Après ouais, je m'en occupe tout de suite. Est-ce qu'il l'a déjà fait ou est-ce qu'il s'en occupera plus tard? C'est ça. Je sais pas trop. Attends, j'essaie désespérément de me repérer dans les clics. Ah bah tiens, voilà Jocelyne. Tiens, je vais lui faire voir la photo. Ça va y plaire. Voilà Jocelyne. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je la dérange, ah merde, elle a la peine. Elle travaille, elle. Ah bah non, du coup... De la soirée de Noël de la boîte. Ah, c'est bon, on écrit des blagues et tout. Oui. Ah, c'était la soirée de Noël je de la boîte. Je me souviens bien de la fin de la soirée aussi. C'est pas très discret, hein. Je dirais que tu avais cette photo. Pas du tout. Ouais. Et je suis surprise que tu aies laissé quelqu'un nous photographier tous les deux en public comme ça. D'accord. Et bim. Eh ouais. Ah ça, hein, pour me grimper dessus, y a pas de problème. Et pour faire des photos en public. Ah. C'est quoi ce petit... Parce qu'elle voulait le rappeler, tu vois, mais elle a pas osé. Du coup, ton avis, ça? Non, interdit. Du coup, ton avis. Non, mais là, pour le coup, non, c'était pas... Ah, non, parce que vous allez dire oui, en matière, oui. Ah non, mais je voulais pas partir. Est-ce que si je lui remonte le badge, il me dit ça y est, c'est fait? Non, je peux pas. Il est creepy aussi. Je crois que tu vas devoir attendre. Hein. Il bouge au ralenti, il me fait flipper. Et je vais faire l'autre photo. C'est vrai que j'avais pas pensé aux objets. Mais j'en ai pas vraiment eu besoin pour avancer, c'est gluant. Ouais. Regarde ça. C'est un portrait de mes parents. Mais oui, il dit ça en souriant. Regarde ça, c'est mes parents. Ma mère s'est suicidée. Mon père m'envoie des mails chelous. C'est ça. Tu sais que. Tu et tu passes à de mon père. Ouais. Ah bah elle aussi, elle s'y met. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il va mettre une tarte. Il approchait sa main, j'ai fait. C'est ça, lui. Je t'en ai dit, ma mère, toi, là. Quand c'est la tête, toi. Oh. 5 minutes à cause de la connexion. Ah, bah. 5 minutes. Ah, quand même. Peut-être que tu refresh. Normalement, moi, ça tourne bien. Là, j'ai pas de drop, c'est pas trop mal. Bon, ben. Est-ce qu'on réessaye quand même le badge? C'est à côté, ça coûte rien. Si c'est... Mais non. Je peux montrer les photos à Thérèse aussi. Est-ce que je suis obligé? Je sais pas. Thérèse, je la sens pas. Thérèse, elle a des problèmes, Thérèse. Et surtout, je sais pas trop comment aller voir... Ah, si, c'est par là. Non, c'est pas par là. Putain, mais c'est où? Non, c'est dans le box du fond. Oui, mais comment j'y vais? Ah, voilà, ça y est. J'ai aucune idée. J'y suis arrivé, je sais pas comment. Non, mais c'est vrai que c'est le bordel, ouais, pour se retrouver. Alors, qu'est-ce que je lui fais voir? On peut lui faire le badge. Ça ne marche pas. On peut lui faire voir la photo. S'en bat les couilles. La photo de mes parents, je n'en ai rien à carrer. Le tournevis non plus. Bah mon portefeuille, hein, chérie, tu veux de l'argent? Non, ça ne marche pas, d'accord. Elle s'en bat les steakos. Coucou Vitaloun. Vita. Oh oui, en plus, bah oui, Fantasmagoria. Tu veux dire, qu'est-ce qu'on. Ah, on les sert. Le coup de tournevis, voilà. On ne peut pas être content. Petit coup de tournevis à tout le monde. Le badge, non. Le portefeuille, non. La photo de. Ah, il est dessus, je crois, non? Oui, non, c'est la photo, il est... non, c'est la photo, il avait dégueulé. Tu vas amener la même fille à la réception de Noël cette année? Je suppose qu'elle va te faire une ristourne maintenant qu'elle a 60 ans. Va te faire voir. Oh, dis donc, tu te renouvelles pas dans tes rêves. Oh, le clash merdique, quoi. Elle est en ouais, ta femme, elle est vieille. Oh, voilà, le clash merdique. Non, la photo de ses parents, ils s'en foutent. Bon. Mais c'est sympa, ces petits dialogues, voilà. Ouais. Bah, il est goldé, mais c'est vrai qu'il est moins marrant que le premier, quoi. Bah pour le moment, c'est surtout que ça traîne, quoi. On n'arrive pas à se. Et on est toujours bloqué, on avait dit on allait chez nous, alors allons chez nous. Ouais, allons-y. Hop. Parce qu'on n'en peut plus de ces bureaux. Ah ouais, non, tous de maison, allez. Putain. On va y voir Bob Blob, pas Bob. Putain. Je m'y perds. Petite musique de rentrage chez nous. Bonjour. Comment on va voir Blob? Ah oui. Allez, oh bah oui. T'as passé une bonne journée, petit A. Tu as été faire les courses. Pas dû être payé cher. Ah oh, bah quand même, il double bien, il fait bien son travail. Ah, je peux pas aller voir Blob. Ah oh, non. Ah, oh, qu'est-ce que tu penses de ma photo, Blob?
Non, je ne peux pas. Mais lui, un coup de ton avis. Ouais, je peux juste la photo des développeurs, mais ça sert à rien. En fait, je peux rien faire chez moi. Là. Je peux me coucher. Ouais, on a bonsoir. Et bonsoir à Monsieur Pomme, qui est le chéri de Vitalon, si tu ne sais pas, je te le dis. D'accord. Bah, bonsoir à lui aussi. Qu'on appelle Monsieur Pomme. Parce que là, Monsieur Pomme, attention, ça devient un homme riche avec l'iPhone X, puisqu'il travaille à la marque à la pomme. Là, ça y est. Monsieur Pomme, c'est pour ça. Donc, Monsieur Pomme a déjà des options pour avoir des gratos, on le sait. Oh, on profiterait les copains. On profiterait les copains. Oh. Oula. Je crois que c'est sa mère. Ah ouais. Ou un travelo, je suis pas certain. Attention. Oh là là, et sans déconner, c'est quand même pas mal, quoi. Même le mec joue pas si mal que ça. Hein. Il en fait pas trop des tonnes. Mais par contre, ça sert à rien. C'est le défaut. Ouais, c'est ça. Je peux regarder ma petite commode, toujours la petite commode de l'amour. Ouais, avec le. Regardez dès que tu peux le miroir, il est sympa. Bah, je viens de le faire. Ça s'est fait en décalé, mais je viens de le faire. Non, le tiroir, c'est fini. Il n'y a pas de relatif. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quoi? Le lit? Non, je peux pas. Faire dodo? Non, faire dodo! Mort de rire. Ah non, il souriait pas, mais non, il y avait une expression, tu vois, à mi-chemin entre le. Tu vois? À mi-chemin. Non, je pense quoi. Que pour l'époque, c'est vraiment du ouais, coup, ouais, puis il est propre. Enfin, les... quoi. Là, l'écran, moi, il est tout petit, mais voilà, les écrans étaient pas aussi grosse définition. Bah, là, je sais pas quoi faire. Non, non, oh, non, c'était essayer le badge qu'on voulait. Ah oui, ouais, pour voir s'il avait déjà fait monter la sécurité. Il joue mal après, bon. Ouais, ouais. Mais si ça marche pas, je sais pas ce qu'on fait. Hein. Tu me dis à quelle heure tu vas arrêter, hein, non? Parce que du coup, bientôt 22h, on avait pas trouvé ça. Ouais. 22h? Dans ces eaux-là, ouais, comme ça. Allez, encore 10 minutes. On essaye le badge, attention. Ah bah, je peux même pas essayer, comme ça, c'est cool. Je peux pas essayer. Ah, tu veux même pas essayer? Ah, des Uber. Non. Ah si, ah putain, non, regarde. Ah. J'étais là, et hop, là c'est bon, un petit pixel mal fichu, mais ça va peut-être pas marcher. Bon. Non. Ah merde. Est-ce qu'on peut avoir un indice, bah, Vitalune, si tu... Tu te souviens, hein, ouais, parce que... Putain. Juste un petit indice pour nous aiguiller. C'est ce qu'on sache quand même, c'est ce qu'on disait. Qu'on termine le live sur un truc un peu plus... ah, je redeviens fou. De flottisme, de flottiser. Bon, je retourne voir les collègues. Mais le mec, il dit qu'il s'en occupait, mais oui, il s'en occupe que dalle en fait. Est-ce qu'il m'a envoyé un mail pour me dire ça y est, c'est fait? Peut-être, ouais. Parce que là, on a parlé à tout le monde, on a montré nos trucs à tout le monde. Ah, on a tout fait, hein. Puis on avait vu des trucs rentrer. Non, c'est blob, pas blob. Je crois qu'il faut terminer de travailler jusqu'à épuisement des clics, sérieux? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est toujours la même scène. Bah si c'est ça, là c'est un peu mal foutu pour le coup. Voir le courrier à la maison. Mais on l'avait déjà vu le courrier. Non, ça peut pas être ça, c'est la même séquence alors. Ouais, non, mais c'est... terminer comment? Non, j'ai parlé à tout le monde, je bosse... Ou alors il y a un bug, hein, peut-être. Non, parce que le courrier, on l'a pas vu. Enfin, on l'a vu, mais on n'a pas réussi à le lire. Et on n'a pas trouvé comment on lisait le courrier, en fait. C'est un peu embêtant. Parce que c'est, il l'a reposé dans la boîte aux lettres, et finalement, on l'a pas lu. C'est bien ça, mais laisser les cinématiques... Ah, parce que... Mais attends, enfin, c'est abusé. Parce que je zappe les cinématiques, ça valide pas le... Ok, je l'ai laissé. On l'a fait déjà bien 5 fois, au moins. Faut lire sur la table du salon. Faut le savoir. Les courriers, tu veux dire? Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais, non, pas trop, ouais. Surtout qu'on peut zoomer sur les objets en cliquant sur mettant ton objet sur l'œil, donc tu te dis que. Bah, on devrait pouvoir le lire comme ça, c'est bizarre. Bah, je pense pas que ce soit l'objet. Hein. Que ce soit le bah, travail, hein, c'est pas possible. Ouais. Essaye d'aller lire le courrier, du coup, maintenant. Ouais, mais je crois pas que ça va faire grand chose. Ça a aucun sens de retourner chez soi maintenant, on est au boulot, effectivement, il faudrait finir la journée de taf, mais là, je pensais que ça aurait validé, mais au bout de 3 fois... Et peut-être que dans le courrier, il y aura un truc pour nous permettre de terminer la journée. Ça a aucun sens, mais oui, ok. Et une table pour le courrier.
On avait été au resto, ouais, on a été au resto, mais on a juste pu regarder la carte, parler un peu au serveur, je crois. Puis on avait la discussion avec Trevor, mais ça n'a pas mené à grand chose, quoi. Mais elle dit juste, ouais, tout ça, je suis pédé, tout ça. C'est ça qu'il dit. Facile de débloquer. Ah ouais. Alors le courrier. Tu l'as au moins ? Oui, bah, il l'a remis dans la boîte en partant. C'est vrai. Ce qui est d'une logique implacable. L'autre, il rentre chez lui de la journée, quoi. Et pourquoi il veut pas lire son courrier dans le... Sur, dans le comme ça, là, comme ça, avec ses yeux. Alors c'est ça, il faut mettre le courrier sur ses... Mais ouais, non. C'est quoi que t'appelles la table? Si tu le fais sur toi, le courrier sur toi. Ah bah oui, tout bêtement. Putain, mais oui, d'accord. Oh là. Bah, je sais pas. Il y a un œil, alors moi je me dis l'œil, tu mets dessus. En plus, ça marche sur les photos, on les voit plus gros, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Photo de sa cosse à mère, c'est qui ça ? Ah, peut-être bien, oui. Non, c'est Jocelyne. Non, ça doit être peut-être Jocelyne, parce que vu la tête qu'il a fait. C'est un autre de Jocelyne. Et nous, on n'a pas vu. Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Ah, attends, regarde, il y a un truc, on peut zoomer. Curtis Craig. Ah, mais c'est le truc fantasme et tout. Je pense, je rêve de toi, je sens tes mains sur mon corps, j'ai la goutte à bouche dans la bête, j'ai fait le plaisir, mais on sait pas qui c'est qui a envoyé. Est-ce que c'est Thérèse ou est-ce que c'est Jocelyne? On sait pas en fait. C'est voir la photo? On n'arrive pas à voir qui c'est, non? Non, non, on dirait une pin-up quelconque. Tu vois, c'est pas vraiment... C'est une actrice, ça, c'est pas... Ah ouais. Et là, quand je zoome, et là, si je croque les classes, c'est des zooms. Okay. Logique, quoi, il n'y a pas beaucoup de logique, non, effectivement. C'est téléphone rose par carte, tout à fait, carte postale rose. Et du coup, on peut peut-être aller voir Thérèse et dire, c'est toi qui m'as envoyé cette carte. Et Thérèse, c'est Bob. Oh non. Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas fait. En fait, du coup, ça avance pas, Blob. Ah, mon maître, je rêve de toi dans ma cage, blablabli, blablablu. Quelle horreur. Coucou Endymion. Alors, on va voir qui en premier. Ouais, on va demander est-ce que c'est... Ah mais du coup si c'est pas elle, elle va nous engueuler, non? Elle dirait que c'est qui t'envoie ça? Moi j'aurais plus de dit Thérèse, mais bon... Allez, ah j'essaye, avec Jocelyne, je fais ça legit. Imagine c'est pas elle. Bah oui, je vais me prendre une tarte. Merci pour ta carte postale. Mais fais-lui pas voir, putain. C'est pas elle, c'est pas elle. Bah oui, c'est pas elle, c'est évident. Curtis, je ne t'ai jamais envoyé ça. C'était évident, bah... Je n'ai jamais vu cette carte postale. Mais au moins je suis innocent. Non. Tu vois, c'est pas genre... je lui dis, oh là là, merci, je crois que c'est toi. Ah, c'est... Comment ça, ce n'est pas toi, je ne sais pas. C'est sûrement une blague, en fait, je suis sûr. Petit malin, Curtis. C'est tout à fait son style. C'est Trevor. C'est Trevor, oui. C'est tout à fait son style. Eh, c'est tout à fait son style. Non, mais lui, il me renvoie une carte avec une super blague. Il est con. Tarte en approche, non, no, no tartas. Ah, pas... Oh, elle fait la gueule, lui. Écoutez, c'est une toute petite note de musique tristounette. Doom, 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 et ma trahi, flippity flou. C'est trop twist. Alors attends, j'essaye désespérément. J'ai vraiment du mal avec ce système là, quoi. Mais comment j'y vais? Non! Faut que t'ailles au fond et après à droite, je crois. Mais non, parce que. Non? Je ne sais pas. Quoi? Attends, je suis. Mais non, je vais pas aller là. Là, quand t'es ici, va à droite. Pff, ouais, ok, j'y suis arrivé, mais c'est pas fait exprès. J'ai vraiment du mal avec. Ah, mais ouais, ça a pas l'air. Allez! Sainte Nude, Thérèse. Oui. Thérèse. Je sais que tu aimes les stars du cinéma muet. On va voir. Thérèse. C'est drôle. On dirait que quelqu'un est tombé amoureux de toi. Ouais, et bien. Peut-être 13h, je te le dis. Veux-tu que je t'avoue un secret? Quoi? J'ai peur. C'est lui-là. Arrête, attends, elle a dit ça, je crois. Non, mais elle dit ça pour déconner, c'est la blague. De quoi? Et il se casse, non mais c'est pas vraiment elle, si elle a dit ça, elle dit elle est de moi, c'est ça? Ah bah moi j'en suis sûr que c'est d'elle, hein. C'est bizarre, quand même. Du coup, qu'est-ce que je fais avec cette information? Bah non, drague pas. Tiens, je vais faire chier un peu, Bob. T'as vu ce qu'on m'envoie, moi, gros tas? Non, on peut pas, bon. Du coup, on a fait ça, c'est bien. Peut-être montrer à Trevor. Ouais, regarde la carte que j'ai reçue. Petit Trevor, c'est toi, petit cochon. Je savais que c'était... Ah, on peut avoir à Trevor, on peut tout faire à Trevor.
Faut tout intéresser, j'ai tout montré intéressé. Mm-hmm. Regarde ce qu'il y avait dans mon courrier. Il est content, il fait le fiero. Ah, c'est bien une personne en des talons. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Fais pitié de cette pauvre fille quand tu la trouveras, Don Juan. Tu vas la pourrir pour tous les autres hommes si tu ne fais pas attention. Eh hey, mais tout le monde me pécho, même très bon. Ah ouais. Et il montre tout, c'est vrai, c'est le mec qui fait tout voir à tout le monde, quoi. Ah, y'a pas... Pouvais. Bon là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Non, peut-être qu'on va pouvoir valider la journée maintenant que j'ai fait tous les objets. Ou alors on va la montrer à Bob. Eh, regarde! Ah, j'ai essayé, il... Mon Tom, il s'en fout, je pense. J'irai le revoir si ça, si on peut rien faire, j'irai le revoir concernant le badge. Pas de nouveau mail. Ah, et si je travaille, il se passe quoi? Peut-être que ça a marché. Ah non, c'est la même, je crois. Ouais. Bon bah non, je sais pas. Là. Tu vois, Bob, tu fais, regarde, moi je vais me taper des jolies filles. Mais j'ai essayé, ça va pas. Directeur de film érotique, oh quand même, c'est un poil mieux. C'est, ouais, quand même. C'est quand même, non, non. Bon bah là, je sais pas. Où est-ce qu'il est, Il est là, Tom. S'il s'est occupé de mon badge. À moins que ça l'intéresse, Tom. Non, ça t'intéresse pas. Non. Ah non. Ben non, on peut rien, plus rien faire avec Tom là. Les photos, ça l'intéresse. Ah si, attends. Non, ça l'intéresse pas, je suis. Non, ça marche pas. Bon, bah là, on va peut-être s'arrêter là du coup, parce que j'ai pas d'idée. C'est fou d'être bloqué comme ça. Bah, pire, on a un peu le. Au bureau, c'est. Ouais, c'est un peu con. C'est ça. C'est ça, ouais. On peut pas retourner voir le patron, ouais, ça marche pas. Vous allez pas être déçu, certains services, mais j'en doute pas, mais non, le patron, non. Mais c'est. C'est qu'il faut y avoir accès, quoi. Mais t'es, je peux pas lui reparler, je peux pas lui remontrer la carte, genre, ouais. Ouais, je réessaye tout, hein. Numéro de téléphone. Hein. Est-ce que par le téléphone, je peux faire. Je peux la poignarder, la peau. Non, je peux plus rien faire. Bon. Ah, eh ben, bien. Je sais pas. Mais non, c'est pas censuré, j'ai mis le code justement. Ah, moi, oui, non, je vais censurer moi-même, tout à fait. Encore qu'il y a une technique pour que vous les voyez. Mais... Parce que si Nao peut les voir, vous aussi, normalement. Parce que, enfin, il faudrait que je censure très vite, mais. Ce serait compliqué. Alors, j'en dis pas plus. Et comment on finit la journée? Ah, surtout, Vita, mais les a déjà vus, putain. Putain, on les connaît. Bon, mon petit blob, c'était un plaisir. Ah mais du coup, ouais, je vois pas ce qu'il faut faire là. Vas-y, je vais appeler Thérèse. Twitch aimera pas, c'est pour ça aussi. Le jeu est dans la liste, hein, donc... Qu'est-ce qu'elle va me dire, Thérèse 3038? Marche ça pas. Sonne. Je sais pas si ça sonne. Retournez voir la trappe. On va la laisser tranquille, ok. Pour retourner voir la trappe, mais je vois pas en quelle. Ouais. Pour quelle raison ça fonctionnerait. De toute façon, on a rien d'autre à faire là, ok. Merde, attends. Ah, ça y est, ça redéconne. Ah. Et ça me gave. Mais oui, mais les zones sont pas claires, sont pas bien définies. Je n'arrive pas à me retourner. Mais oui, c'est ça. Je vais me retourner, je suis. Ah merde, j'ai fait un quart de tour, je suis pas bien. Ah. Ah, attends, une autre scène maintenant. Salut Thérèse. Oh, comment vas-tu? Je te veux. Oh là là! La censure! Tu m'as entendu. Je suis prêt à censurer, je vous préviens. Je n'ai pas entendu pour Curtis. Je te Mais trouve. Mais moi je verrai la scène! Particulièrement séduisant. Écoute Thérèse, j'ai une petite amie. Je m'en moque complètement. Ah donc Thérèse, attention à l'attaque. Je ne veux pas de ton bel esprit. Ouais. C'est toi que je. Femme indépendante, attention. Je désire ta chair. C'est pas genre un démon quoi? Et ta sueur. Bah tu ça, la résistance de Travis, hein, c'est pas terrible. J'ai une copine et 2 secondes après, il est... Pas là, ouais, mais je prépare. Oui, oui. Puis Mickey va dire, non, c'est bon, laisse, t'inquiète, j'ai fait le jeu. Puis après, hein, ce sera trop tard. Comment je me suis fait allumer de ouf. Ce sourire de niais qu'il a fait. Je suis fidèle, mais ça fait plaisir quand même. Oh, c'est pas mal, quand même. Ouais, si, ça fait plaisir. Bien. Oh putain! Et le coquin!
Ouais, alors attends, hop, hop, où est cette flèche, voilà. Alors tu te retournes vers la trappe. Et du coup, fallait penser à revenir ici quand même pour voir ça. Ouais, non. Alors si j'essaie, attends, avec le tournevis. On va essayer, ouais. Mais je sais pas que ça marche. Mais oui, Romeo. Mais grave. Bah non, y a pas de raison que ça marche mieux. Qu'est-ce qu'il faut, un marteau pour mieux enfoncer le tournevis? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, le fait qu'il essaie avec le tournevis, c'est quand même bizarre. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être ça. Et maintenant que Thérèse a essayé de nous allumer, on peut retourner dans... Peut-être. C'était que pour la scène. Ah oui, d'accord. C'est... On va voir. Et qu'est-ce que je fais là dans le bureau, du coup? Voir Thérèse Je sais pas. Je pensais qu'il allait se passer un truc en fait en revenant. Ah ouais, non, mais non. Attends, et là, c'est à droite, tu dis? C'est au fond, ah, mais... à droite. Ah, mais il y a... Ah, oh, mais la flèche, elle est tellement petite, putain. Ouais. Ah, je peux lui parler. Ah. Et tu me referais un petit bijou, parce que j'ai une copine, mais c'était sympa. Thérèse. Mais je crois que c'est ça, en plus. À propos de ce qui s'est passé dans la réserve aujourd'hui, je... Cette porte de poupée. Je t'aime vraiment beaucoup, mais je vois quelqu'un d'autre en ce moment, et... toi. Thérèse, on doit être discret. Chut, attends. Tu me gâches le plaisir. Écoute bien le langage. Hop, hop, hop. De ta chair. L'ascension, attention. C'est lui qui te dit ce que... Lord Batter, c'est ça. Dans open space, quand même. Ah bah, Travis, il hésite pas. Hein. Curtis, non, comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Curtis. C'est Trevor et Curtis, pas Travis. En même temps, il va l'avoir, quoi. Ah non, non, arrête, s'il te plaît. C'est toutes les 5... Non, mais t'arrêtes. Bon, tu ne baisses pas mon pantalon. C'est ça, le mec, il est vraiment... Hein? Non, mais tu sais, il va se... Pareil, tu sais, torse nu. Bon, là, je suis torse nu, mais tu te calmes, ok. Puis après, bah non, c'est elle, elle m'a sauté dessus, oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais tranquillement en train de faire des pompes dans son bureau, et tout à coup, voilà, n'importe quoi. Eh, hey, mais on va aller faire nos... Attends, je vais voir si je peux parler à Jocelyne. Non, Jocelyne, là, non. Au fait, c'est Thérèse, elle me fait un petit bisou derrière, ça te dérange pas. Ah bah, on sait pas, peut-être qu'il y a un moyen, un ménage à trois, on sait pas. Oh. Non, mais non, je veux pas aller voir Jocelyne. Jocelyne, elle est... Elle est normale, je sais, l'autre, c'est un démon de l'enfer. Le mec qui peut pas s'empêcher de raconter toute sa vie, c'est hey, elle m'a fait un bisou et tout, et c'était bien. Et... Mais oui, mais Trevor, c'est Bay, quoi. Pff, non, bah non, là, je peux plus rien faire avec Trevor. Ménage à 4, ah bah si tu comptes Trevor, oui. Mais Trevor, là, fait quoi. Est-ce que tu peux retourner bosser ou... Je vais voir. Ok. Quand même. Alors, je regarde vite fait les mails. Non, ça, ça va pas changer. On est d'accord que les ouais, plus non, jeux, hein, rien pareil. Alors, on va travailler. Ça marche pas. Je crois qu'il y a un bug là. Ah. Où ça bon, y c'est y a, c'est un bug. Oh, j'ai peur. Ouais, attends, ça bug là, je crois. Ah, là, une nouvelle séquence. Et... Enfin. Ah. Génial. C'est déjà l'heure de partir. Ah, bah putain. Bah, ça a été compliqué donc. Bah, ouais, fallait tout faire. Draguer par Thérèse, sinon tu pouvais pas. Fallait faire toutes les scènes en fait, voilà, du truc. Bon, alors on va sauvegarder puis on va se quitter là. Cool, bah, ça a été compliqué. La première journée de boulot, c'était. Ah, c'était dur, hein. Enfin, pour jeu de boulot, oui. Pas pour. Je vais en faire une autre que j'ai fait. Je suis pas sûr que ça a bien écrasé. Ah, si, ça m'en a fait deux, ouais. Ok, on va en faire une qui s'appelle autrement, sinon je vais pas en faire un V2. Marque voilà. Blob. Blob. Voilà, deux. Et on save. Voilà. Bon, ça a l'air quand même longuet, mais ça a l'air sympa quand même. Bah, puis là, ça va commencer à être un peu plus crasant. Ouais, je sens que ça va commencer à être un peu plus intéressant. Bon, bah ouais, c'est plus sérieux. Mais on va voir ce qui va dans notre travail dur labeur. Ça passe son temps à draguer. Bah oui, mais la journée, enfin finie. Oh là là, je me suis fait. J'ai roulé des pelles et tout. Je me suis fait pécho dans la réserve. Oh là là, fou loulou. Bon, il y a éventuellement des démons dans ma tête qui m'envoient des messages par mon ordinateur et je vois ma mère pendue. Je vais chez moi dans la journée. Bah, c'est pas grave. Il y a quand même des contreparties. Ça vaut le coup, je veux dire. Ouais. Bon, bah la suite prochainement, on essaye de se préparer ça. Hein, mais voilà. Bon, bah ouais, mais merci à tous d'être venus. Et puis, à la prochaine fois. Bye bye. Bonne soirée.